Le jour s'achève et la nuit est là. Ici Louis Auxil pour Écoute dans la nuit. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai la joie ce soir de retrouver des amis voyageurs, voyageurs au long cours. Ils reviennent de loin et ils ont fait escale dans le studio d'Écoute dans la nuit pour vous raconter. Bonsoir Paul Bablot. Bonsoir Louis Auxil. Bonsoir Cédric Grain. Bonsoir. Antoine de Chevigné. Bonsoir. Anatole Obolensky. Bonsoir. Et Aldric de Saint-Palais. Bonsoir. Merci à vous d'être venus jusqu'ici en cette heure tardive pour nous raconter vos voyages et pour nous dire, comme les auditeurs pourront nous le dire dans quelques instants, quels sont les voyages dont vous rêvez. Et oui, chers auditeurs, comme chaque soir dans Écoute dans la nuit, vous avez la parole. Vous pouvez nous appeler au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Pour nous raconter, alors peut-être un beau voyage que vous avez fait, le plus beau voyage que vous avez fait, et aussi pour nous dire quel est le voyage dont vous rêvez et pourquoi vous en rêvez. Dites-le nous, donc 01 56 56 44 00, dites-le nous aussi par mail, écoutedanslanuit@gmail.com, et vous pouvez aussi en discuter avec nous dans les commentaires du direct sur YouTube, puisque nous sommes, comme chaque soir désormais, en direct vidéo sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Alors je vous propose de commencer par un petit tour de table, rapidement, pour que chacun de nos auditeurs comprenne un peu d'où vous venez, chers amis. Et vous allez peut-être nous dire, bien, quels sont peut-être un voyage qui vous a particulièrement, marqué, qui fait que vous aviez envie ce soir de venir nous en parler. Cédric Gras, vous êtes voyageur, vous êtes aussi écrivain, documentariste. Oui, je suis auteur de livres et de films, en fait, mais on appelle ça documentariste. Alors, si vous aviez un voyage que vous aimeriez partager avec nos auditeurs. Ah, que j'ai fait déjà. Oui. Moi, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de partir en Antarctique, au pôle sud. Et c'est vrai que c'est exceptionnel, parce que c'est le seul voyage, je crois, pour lequel on ne peut pas prendre un billet d'avion sur Internet. Il n'y a pas de ligne régulière. Rien que ça, c'est assez rassurant. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on a cette opportunité. Et puis, c'est vrai que l'Antarctique, on sait plein de choses en théorie. C'est au pôle, c'est très froid, il y a des glaces et des manchots, tout ça. Mais quand on arrive là-bas, on est quand même stupéfait par l'ampleur du truc. C'est la surface de l'Europe, recouverte de 2,5 km de glace en moyenne, c'est absolument grandiose. Et en même temps, c'est très ennuyeux, parce qu'aucune variation de paysage. Mais alors, j'étais très content de rentrer, et j'ai pas du tout envie d'y retourner, et je suis très heureux de l'avoir vu. C'était le dernier continent sur lequel vous n'étiez pas encore allé? Ah non, je ne suis pas allé en Australie, mais là, il paraît que c'est un peu grillé en ce moment. Je vais oui, ça risque d'être compliqué, mais ils ont peut-être davantage, d'autant plus besoin qu'on leur rende visite. On aura le temps d'en parler ce soir. Paul Bablot, on vous doit un livre du Mékong à la place Saint-Pierre. Racontez-nous, de quoi s'agit-il? Tout à fait, il s'agit simplement d'une promenade à vélo pour rentrer de Thaïlande où j'ai habité pendant un an durant une mission avec les missions étrangères de Paris. Et puis, donc, à la fin, j'ai acheté un vélo à Bangkok et puis je suis rentré jusqu'à Paris en passant par tout un tas de pays plus ou moins connus, le Tibet, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, l'Iran. Et en passant voir des communautés chrétiennes également. Voilà, exactement. En passant visiter les communautés chrétiennes qui jalonnent les routes de la soie, puisque les routes de la soie se conjuguent au pluriel et ne sont pas une seule et même route. Aldric de Saint-Palais, vous êtes forestier, vous exploitez le bois, vous avez parcouru les forêts du monde entier aussi. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué? J'ai eu beaucoup de chance, j'ai travaillé en Afrique centrale et pendant plusieurs années. Et je suis aussi montagnard, j'aime beaucoup la montagne. Et j'ai eu la chance de faire un beau voyage en Ouganda pour aller monter un sommet dans la chaîne de ce qu'on appelle les Monts de la Lune, qui est la naissance du Nil et du fleuve Congo, donc deux des plus grands fleuves de la planète. Il y a un sommet qui fait un peu plus de 5000 mètres, avec le plus grand glacier d'Afrique. Donc on se retrouve à marcher avec des crampons au fond d'une vallée unique au monde, avec une végétation extrêmement particulière de montagnes en Afrique centrale. C'est les seules chaînes de montagnes d'Afrique centrale. Et ce monde complètement hors du temps, où il n'y a pas de civilisation, personne n'habite dans cette zone. Et on passe 2 semaines au fond d'une vallée à remonter pour grimper à 5000 mètres et terminer en style alpin, de façon assez classique, sur un sommet. Et redescendre après en voyant des lacs qui sont superbes, à un moment hors du temps. Ça donne envie d'y aller à notre tour, à vous entendre. C'est superbe. C'est une ascension qui n'est pas extrêmement compliquée, qui a l'avantage, qui n'est pas très très loin du Kilimandjaro, qui est au Kenya, qui lui est très fréquenté.
Mais le Ruwenzori n'est pas une montagne très connue parce que c'est le troisième sommet d'Afrique. Et donc, ben, les gens font toujours les premiers sommets, jamais les troisièmes, ni les deuxièmes, ni les troisièmes sommets. Et donc, il n'y a pas beaucoup de touristes. Donc, c'est encore un monde assez préservé, suffisamment pour qu'on puisse trouver. Bon, il y a quand même un peu de touristes, donc on peut trouver des porteurs. Il y a des hôtels, des auberges qui vous permettent de manger, de quoi. Voilà, il y a suffisamment de. La logistique est présente, mais pas beaucoup de touristes. Et à côté de vous, Anatole Obolensky. Vous arrivez de Russie, peut-être ? Non, je n'arrive pas de Russie. Je travaille à Paris. Mais je pense, avec beaucoup d'humilité, après tous ces grands voyages, ces beaux voyages que nous avons racontés jusqu'à maintenant, mon plus beau voyage, c'est le Tour du Monde, pendant près de 2 ans. C'est un voyage qui a fait, effectivement, que l'homme qui est parti n'est pas celui qui est revenu. Mm-hmm. Et on aura peut-être l'occasion d'en discuter ce soir. Pour savoir un peu plus qui est donc cet homme qui est revenu. Et enfin, Antoine de Chevigné, vous êtes entrepreneur et voyageur aussi. Oui, c'est ça. Et du coup, alors moi, le voyage dont je me rappelle le plus, qui m'a le plus marqué, c'était il y a quelques années. J'ai passé quelques mois en Afrique du Sud, au Cap. Et à la fin de mon séjour, on est parti en voiture avec 2 autres amis pour traverser la Namibie. Donc pas en entier, mais une bonne partie. On est remonté le long de la côte et après on est redescendu au Cap. Et je pense que je me rappellerai toujours de ces paysages où le long de la côte, on voit. À gauche, c'est l'Atlantique, et à droite, c'est les dunes du désert qui tombent directement dedans, juste séparées par une route. Et voilà, c'est quelque chose qui m'avait pas mal marqué. Et, je pense que c'était le voyage que j'ai préféré. Alors, à vous entendre, on a l'impression que vous y êtes encore un peu dans vos destinations de voyage. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est partir ou c'est revenir ? Revenir. Paul ? Revenir indéniablement, parce que finalement, le voyage, c'est très grisant. Lorsque vous y êtes, lorsque vous avancez dans le voyage, on a toujours envie d'aller plus loin, de faire quelque chose de plus grand. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose de plus exceptionnel. Donc, en tout cas, vous trouvez plus exceptionnel que ce que vous faites. Et donc, on a toujours cette petite compétition de se dire « Ah, tiens, et puis si le prochain, j'irai pas à tel endroit. » Ou « Tiens. » Lui, il a fait ça, c'est vrai que c'est pas mal aussi, et ah, j'aurais bien aimé le faire. Et donc, voilà, c'est le voyage, je pense, finalement, est un peu un défi, et chacun, et à chaque fois, on se lance un défi, parce que on ne sait pas forcément ce vers quoi on va avancer, et ce vers quoi on va arriver, mais en tout cas, voilà, c'est un grand saut vers l'inconnu, avec cet idéal de découvrir le monde, de découvrir des personnes, et puis aussi de se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire. On sent effectivement que vous y êtes encore un peu. Et votre vélo, vous l'avez toujours ? Toujours, je vais au travail tous les matins avec. Donc est-ce que peut-être qu'aller au travail, il y a un peu la continuité de votre voyage depuis la Thaïlande, puisque vous employez le même vélo. on peut dire ça, oui, d'une certaine manière. En tout cas, tous les matins, en regardant les drapeaux des pays que j'ai soigneusement collés dessus au fur et à mesure... Je me rends compte que il y a toujours des nouvelles choses à faire et puis qu'avec peu de choses on peut voyager. Cédric, vous partez, vous revenez souvent. Quel est le plus difficile ? Moi, ça change un peu avec l'âge. Hein. Quand on était jeune, le plus dur c'était de revenir. Et puis maintenant, c'est de partir en fait. C'est l'histoire de la vie, quoi. C'est l'embourgeoisement. Il y avait de ça quand on était les premiers voyages. C'est vrai qu'on voyait pas passer les mois. Et puis en plus, bon, on avait eu du mal à financer le départ et en rentrant, on savait qu'il fallait trouver un travail. On allait devoir trouver un travail. Alors on était coincé entre 2 impératifs pécuniers. Et puis aujourd'hui, je suis un petit peu plus difficile en fait sur les destinations. Donc il y a certains voyages sur lesquels je suis même plus partant en fait. On a moins d'appétit avec l'âge, on devient un petit peu plus difficile, mais c'est pour le mieux parce que je fais plus n'importe quoi. Voilà, c'est fini l'ère des voyages où on erre. Mm-hmm. Donc, je sais pas comment répondre à la question. Là. J'ai botté en touche bien loin. Là. Je crois que j'ai trouvé. Mais non, c'était très bien. Dans les 22 mètres adverses, on va passer la parole. Alors, je vois justement qu'il y en a qui rigolent en face, de l'autre côté de la table. Alors, on va les laisser parler. Anatole, vous avez fait un tour du monde et vous repartiriez pour un autre tour du monde ? J'espère repartir pour deux tours du monde, hein, en famille. Un dans chaque sens ? Oui, mais même un troisième à la retraite, mm-hmm. et voir comment le monde a évolué pendant ma vie. Mais sur la question du partir et revenir, je trouve que c'est le retour est toujours formidable parce qu'il y a le plaisir de retrouver un petit peu la famille, le foyer, le domicile, etc. Et c'est quand on comprend qu'on va pas repartir tout de suite. Je pense que c'est vraiment là que le vrai malheur
du retour secret. Aldric. Après, Paul disait cette espèce de compétition. Il y a aussi les gens qu'on rencontre qui voyagent autour de vous, vous donnent des idées, ce que disait Paul. Et donc ça donne toujours, on se dit, ah, un tel l'a fait, donc c'est possible. Il me donne des contacts, il me dit que ça se fait comme ça. Mais il y a aussi le fait que quand on a voyagé, que ce soit pour 10 jours, pour aller juste en Italie ou pour aller à l'autre bout du monde, au fin fond de la Mongolie, il y a ce fait que pendant quelques jours, on a été un peu hors du temps, personne ne vous demandait de vous lever le matin, ou plus ou moins, sauf si vous étiez vraiment dans un tour guidé. Mais vous avez fait un peu ce que vous vouliez pendant quelques jours, vous avez fait ce que vous aviez envie de faire. Mm-hmm. Et quand on revient, on se retrouve, comme le disait Cédric, dans cet embourgeoisement de ces contraintes du travail, de prendre le métro le matin, le métro le soir, pour les Parisiens, pour les provinciaux. Mais Paul, il prend le vélo, il a dit lui. Oui, Paul, il prend le vélo, mais il prend le vélo tous les matins. Il a des horaires à tenir pour son travail. Voilà, il y a des horaires à tenir, des contraintes. Et donc, pendant ce moment de voyage, on a été un peu libre, on a profité du temps. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière de faire le Transsibérien, un petit morceau du Transsibérien. On se retrouve dans un monde complètement différent, dans un train, ce qui est quelque chose assez qu'on connaît, qu'on maîtrise, mais rester 30 heures de suite dans un train, c'est quelque chose que les Français connaissent pas moins. Ouais, il y a un TGV qui a fait 15 heures depuis la Bretagne, la tempête, la nuit dernière. Je suis pas sûr que ces passagers-là aient autant apprécié l'expérience que moi dans le Transsibérien. C'est sûr. Et donc, il y a ce fait que quand on revient, on se retrouve dans cette monotonie. Mm-hmm. Et c'était Paulo Coelho qui disait la phrase « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine, elle est mortelle. » Le voyage, c'est un peu l'aventure. Alors, on n'est pas obligé d'aller très très loin pour vivre l'aventure. On peut être un touriste normal et vivre l'aventure. La routine du quand on revient, bon, c'est plus difficile. Il y a une question qui me semble extrêmement importante pour commencer aussi cette émission, c'est que il y a des personnes qui sont jeunes et vaillantes comme vous, qui ont la possibilité de voyager, mais il y a aussi des personnes qui, par la force des choses, sont un peu plus casanières, soit parce qu'elles sont dans la maladie, le handicap, qu'elles n'ont pas les moyens financiers, qu'elles sont retenues par des obligations familiales ou professionnelles, ou qui sont bourgeoises, comme vous le disiez tout à l'heure, Cédric. Je vais dire bourgeoise, je dis en bourgeoisie. Ça nous arrive à tous, qu'on ait de l'argent ou pas. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes qui n'ont pas la possibilité de voyager, qui aimeraient et qui vous écoutent avec beaucoup d'envie? Lisez des voyageurs. Oui, le voyage par procuration, que ce soit la littérature, les arts en général, le cinéma, le documentaire, il faut le dire, Paul Bablot, il vous emmène en voyage avec lui sur son vélo. Mais la lecture, moi par exemple, je suis un grand client de lecture sur des pays, je le disais tout à l'heure, je suis plus partant pour n'importe quelle destination. En revanche, je suis curieux de tout et il m'arrive de faire le voyage en remerciant l'auteur de l'avoir fait pour moi. Alors, on peut aussi lire Cédric Grin? Oui, on peut, mais enfin... Ça, Est-ce qu'il y a un des livres que vous avez écrit dont vous aimeriez dire un mot? Oui, celui qui va sortir, forcément. Bien sûr. Alors, le 25 mars, oui. Aux éditions Stock. Très bien. Ça s'appelle Alpiniste de Staline. Et c'est une enquête. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus maintenant. Enfin, le livre est fini là pour le coup, mais c'est l'histoire exhumée des archives du KGB où j'ai travaillé pendant plusieurs jours des frères Abalakov qui étaient les grands héros de l'alpinisme soviétique. Paul Bablot. Oui, alors ce que je trouve intéressant dans beaucoup de démarches de voyageurs, notamment celle de Cédric, c'est cette notion d'histoire, c'est de se replonger dans l'histoire pour voyager, puisque le voyage permet aussi parfois d'avoir un décalage temporel, un décalage spatial, mais aussi temporel. Et finalement, c'est aussi, je pense, que nous recherchons, en tout cas, ce que je recherche aussi moi dans le voyage, c'est cette capacité à sortir de mon confort parisien, de ma vie parisienne, et d'arriver à voir que le monde n'est pas identique, et que cette différence, elle est incarnée pas uniquement par une géographie, mais aussi par une histoire, par tout ce qui va infuser dans la culture locale. Et vous qui nous écoutez, on peut en parler avec vous, chers auditeurs. Pour réagir à cette émission, pour poser vos questions à nos invités, pour nous dire quels sont les voyages, le plus beau voyage peut-être que vous avez fait, surtout pour nous dire quel est le voyage dont vous rêvez et pourquoi vous en rêvez, appelez-nous au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00 ou écrivez-nous à écoutedanslanuit@gmail.com. Et je vous propose aussi ce soir, puisque nous voyageons, un petit tour du monde musical durant nos différentes pauses. Et nous allons tout d'abord prendre le large avec les Marins d'Iroise, Vire au Cabestan.
Radio Notre-Dame. Entendez la pauvre aventure, la bourlingue d'un brave moussaillon. Bien me chef qui traîne l'allure, gavier de Madame Simon. Ce fut un grand soir de bombance, qu'il fut enrôlé librement au caboulot de recouvrance par un maître d'équipage du bord d'une goélette américaine à marée le long du quai nord, déchargeant des ballots de laine avant de faire route vers Baltimore. Pire au clandestin depuis tant et tant de mois que j'attends de toucher la terre. Y'a plus pour longtemps ce foutu Satan. J'espère qu'en rentrant on boira du vin et de la bière. Le lendemain départ du voyage, à poster chez les tribordés, à virer pour l'appareillage, couvre la chique à sous quel palais. En route pour le Rhône et pendant tout un mois, trois jours à la garde de Vire au cabestan avec les marins d'Iroise et avec nos invités de ce soir, Paul Bablot, Cédric Gras, Antoine de Chevigny, Anatole Obolensky et Aldric de Saint-Palais. Vous êtes très nombreux ce soir à être venus nous rendre visite dans les studios d'écoute dans la nuit pour nous parler de vos voyages et pour en parler avec vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour vous aussi nous raconter le plus beau voyage que vous ayez fait. Et aussi pour nous dire quel est le voyage dont vous rêvez et pourquoi vous en rêvez. Appelez-nous au 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous écrire
à l'adresse écoutedanslanuit@gmail.com. Et enfin, vous pouvez nous suivre en direct vidéo sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Il vous suffit d'aller sur votre moteur de recherche préféré, de taper YouTube Radio Notre-Dame et vous pouvez nous voir en direct, commenter et interagir avec nous. Chers amis, j'ai énormément de questions que j'ai envie de vous poser parce que j'ai beaucoup d'admiration pour tous les voyages que vous avez faits. Mais auparavant, j'ai simplement envie de vous demander la même question qu'à nos amis auditeurs. Quels sont les voyages dont vous rêvez et pourquoi? Peut-être qu'on peut faire un petit tour de table. Antoine. Alors moi, il y en a un en particulier que j'aimerais beaucoup faire. Donc ça serait faire une des routes de la soie. Mais alors en partant peut-être d'un peu plus loin que le départ, vraiment en partant de Pékin et de revenir jusqu'à Paris. Donc après, moyen de transport en voiture, en moto, peu importe vraiment. Mais vraiment faire ce voyage sur 2-3 mois, plutôt 3 mois je pense. Mais voilà, quelque chose que... Et pourquoi ce voyage-là? Je ne suis jamais allé en Asie centrale déjà. Donc c'est une région que j'aimerais bien découvrir. Et après, il y a le côté aussi un peu sportif, un peu aventurier à faire. Qui m'attire. Et j'aime beaucoup aussi voyager en voiture, jamais fait en moto, en train, enfin tous ces moyens de transport qui sont quand même assez flexibles. Et c'est un bon... C'est un voyage qui permet de faire ça assez facilement. Anatole. Un voyage qui m'attire en ce moment pas mal, c'est justement de changer d'expérience de voyage. Et c'est juste, ce serait de... J'aimerais bien reprendre une route... Saint-Exupéry, Rose Postale, on a discuté avec Alric, je crois qu'il allait jusqu'au Sénégal en avion. Je passe mon PPL en ce moment, en premier avion justement. Et j'aimerais bien justement découvrir l'Afrique, un continent que je n'ai pas fait dans mon tour du monde. Le but est de faire tous les continents? Pas forcément, y a pas, mais à terme je l'espère. Mais justement de changer cette expérience de voyager, parce que effectivement on se blase assez rapidement, on s'embourgeoise un petit peu. Et je pense que ce serait une bonne manière de sortir de ça. Alric. Alors, effectivement, refaire sur les traces de nos illustres anciens la route de l'aéropostale, c'est quelque chose d'assez magique. Voilà, donc là, comme Antoine, c'est un voyage, je veux dire, technique, avec un moyen de transport moderne. Ça m'attire beaucoup, ça me tente beaucoup. Et après, j'ai un autre voyage qui est complètement à l'opposé, qui serait à cheval, à travers les grandes plaines de Patagonie, pour prendre le temps. Donc, c'est deux types de voyages très, très différents. Un voyage très technologique, très technique. On reprend un voyage passé. On va sur les traces de quelqu'un qu'on essaye qu'on a lu. On a lu Saint-Exupéry, on a lu Mermoz, essayer de retrouver ces traces dans l'aviation, dans la technologie. Et aussi là, complètement un autre moment hors du temps en Patagonie. J'espère un jour à cheval, deux, trois semaines, quatre semaines, un mois. Pourquoi à cheval? Pour le panache? Pour l'odeur? Pour l'odeur. Le plaisir de sentir un cheval d'être à cheval pendant des jours, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai eu la chance de faire l'année dernière un moment à cheval en Mongolie. Ce moment où vous êtes au milieu d'une steppe sans fin, où il n'y a rien, et vous êtes avec votre cheval, vos amis autour de vous, et voilà, c'est tout. En fait, vous avez besoin de rien d'autre. Vous êtes avec vous avez votre moyen de transport entre les jambes. Et vous avancez. C'est un moyen de voyager avec quelqu'un qui n'a pas son mot à dire dans le choix de la destination. Aussi. Aussi, très juste. Paul. Alors, je suis très embêté parce que le voyage sur les traces de l'aéropostale est quelque chose qui pour moi, m'habite et hante mes rêves. Youpi, on a quelqu'un pour le siège arrière. Je ne veux pas dire le contraire, je suis venu avec les œuvres intégrales d'Antoine de Saint-Exupéry qui sont à côté de moi, alors je ne peux qu'approuver. Donc voilà, alors moi c'est surtout l'Amérique du Sud qui m'intéresserait beaucoup en termes de voyage. Voilà, descendre depuis le Mexique jusqu'à la Terre de Feu, jusqu'à la Patagonie, sur les pas de nos glorieux anciens. Et puis sinon, un autre voyage qui pour le coup me tente beaucoup, ça serait d'aller à ski. Un grand raid dans le nord de la Norvège, la Finlande, la Russie, au niveau du cercle polaire. Passer plusieurs semaines à suivre le soleil et au moment du soleil de minuit. Et ça, c'est vrai que c'est une expérience qui me travaille et qui me donne extrêmement envie d'aller la vivre. Cédric.
Moi, j'aimerais bien aller sur Mars parce que. Non, mais je suis très sérieux. J'attendais que quelqu'un le dise. Bah oui, mais moi, je suis très sérieux, c'est pas du tout une plaisanterie. Il faut devenir chinois, par contre. Pourquoi vous dites devenir chinois? Il compte aller sur Mars bientôt. C'est la première navette à partir. Oui, de toute façon, j'ai peu d'espoir que ça arrive de mon vivant, en tout cas, tant que je serai en forme. Mais c'est vrai qu'on parle là de très beaux voyages, bien sûr. Et en même temps, il y a quand même, chez notre génération, une légère déception. La Terre est explorée. Nous, on s'est tous vus beaux, quoi, quand on était ados, en lisant justement Saint-Ex et plein d'autres récits magnifiques, tu vois, sur la table à Bouvier, etc. Et en même temps, la Terre a tellement changé depuis... ça ne fait pas si longtemps, finalement, c'est quelques décennies, mais il y a une transfiguration de... paysage, de l'humanité, des découvertes, de la science, et on se retrouve quand même un peu en plan, là, faut bien le dire. Donc on fait ce qu'on peut pour faire des beaux voyages, mais l'exploration, c'est là-haut, quoi. C'est plus la géographie, c'est la cosmographie. C'est pas nous qui y participerons, mais puisque la question c'est de savoir de quoi on rêve, moi je rêve de ça, moi. Merci à vous tous pour ce petit tour du monde, de vos rêves, de l'univers même, du système solaire, de vos rêves. Je vous propose maintenant que nous écoutions Gaëlle Delabrosse qui est en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir à tous, oui, merci, aux voyageurs. Merci d'être avec nous. Gaëlle Delabrosse, on vous doit de nombreux livres. Alors vous, votre truc, c'est plus les chemins de pèlerinage. Oui, c'est vrai que moi j'ai du mal à marcher sans but, en fait. Hein. J'ai du mal à aller dans un pays, à me considérer comme touriste. Moi, il me faut plusieurs choses. Il me faut d'abord un but, hein, pas d'errance, mais plutôt une itinérance spirituelle. Il me faut aussi de la beauté, il me faut des beaux paysages, alors je suis exigeante, hein, il me faut aussi du beau patrimoine pour faire avancer ma quête. Et puis à haut lieu, c'est vrai que j'aime bien me sentir un peu chez moi, dans des lieux qui invitent à la transcendance, à la spiritualité. Voilà, donc ce qui relie tous ces ce qui remplit toutes ces conditions, c'est effectivement les chemins de pèlerinage. Donc moi, mon premier chemin de pèlerinage a été non pas Compostelle, mais Fatima, en fait. Hein. À 16 ans, je suis arrivée à Fatima à pied, en faisant un camp itinérant, en marchant pendant un mois. Et puis c'est là que j'ai attrapé le virus de la marche. Et ensuite, donc c'est vrai que j'ai enchaîné pas mal de chemins de pèlerinage. Bien sûr, les chemins de Compostelle, mais j'ai été aussi à Rome, à Assise, à pied, à Częstochowa aussi. Alors là, c'était un peu particulier. J'ai accompagné en fait des jeunes en patin à roulettes à travers l'Europe. Personne n'a fait, je crois, en studio, là, le patin à roulettes. Non, il n'y a pas eu ça encore. Sur le voyage au bout de sa rue, quand j'étais petit, j'ai fait, moi. Voilà. Oui. Ouais. Mais bon, ça reste des moyens non mécaniques. C'est vrai que moi, j'aime bien voyager à pied. Pourquoi à pied, justement, le fait de mettre un pas devant l'autre, ça permet de mieux profiter? D'abord, c'est comme le disent les philosophes, hein, l'éloge de la lenteur. Donc c'est vrai que la lenteur, pour moi, c'est une des conditions pour bien appréhender à la fois les paysages et puis faire des rencontres. Et puis il y a aussi le fait de remettre en mouvement son corps, hein, qui est pendant toutes nos vies sédentaires, assises, hein, du bureau à la voiture, au restaurant. Donc là, on le remet vraiment en mouvement et... Et ça participe aussi, à mon avis, d'une certaine métamorphose, hein, de l'esprit, de l'âme. Il y a Aldric qui voulait vous répondre. Oui. Non ? Non, Aldric, non. Finalement, non, Aldric ne veut plus. Non, peut-être parce qu'Anatole a quelque chose. On peut être en désaccord quand même. Aldric fait son timide, il est en train de découper le saucisson, en fait. Voyage à pied, du voyage lent, vous avez fait de l'éloge de lenteur, ça, je comprends. Mais le monde est grand, il y a beaucoup de choses à voir. Et le problème, c'est que si on se déplace que à pied, eh ben, on ne va pas pouvoir voir grand-chose, on ne va pas pouvoir voir autant de choses que si on utilise quand même les nouvelles technologies pour pas de déplacer plus facilement. Tu veux dire les patins à roulettes? Les patins à roulettes, le vélo. Gaëlle, on vous doit plusieurs ouvrages, L'esprit des pèlerinages, Les brèves des chemins de Compostelle, Le petit livre de la marche. Les chemins de Compostelle, quels sont ces brèves? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, ce que représentent pour vous ces chemins? Alors,
c'est vrai qu'il y a, parmi tous les chemins de pèlerinage qu'il y a, je pense que le chemin de Saint-Jacques est le plus complet, parce que, enfin complet, c'est un mot, je sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas, c'est donc un chemin déjà qui a une histoire millénaire, et qui est par lequel, et qui nous fait passer par différents stades, hein, notamment si on prend juste le Camino français, c'est-à-dire à partir des Pyrénées. Donc on a d'abord effectivement le détachement de notre vie. On a ensuite on passe par la meseta, hein, qui est une sorte de désert. Donc là c'est le dépouillement. Ensuite on a le sebrero qui nous fait grimper, hein, donc c'est l'ascendance, et puis on arrive à Saint-Jacques et au Finistère, et là c'est l'ouverture sur la mer, sur l'Occident, et là c'est un peu le vieil homme qui meurt pour revenir vers voilà, avec l'homme nouveau qui revient vers l'Est, hein, parce qu'on va vers l'Occident et on revient vers l'Orient. Enfin, il y a toute une série de symboles comme ça qui sont incarnés dans ce pèlerinage, et puis tous les rites aussi qu'on accomplit, la pierre qu'on laisse sur la crosse à la crosse des Ferrots. Est-ce qu'il faut y aller plusieurs fois à Saint-Jacques, ou est-ce qu'y être une fois suffit? Alors ça, je crois qu'on peut pas utiliser le verbe falloir, hein, parce que ça dépend vraiment des personnes. Alors c'est vrai que le pèlerinage de Saint-Jacques est un pèlerinage linéaire. On va vers un endroit et donc il est pas complet, en ce sens que, et c'est pas comme une circumambulation, hein. J'ai aussi fait le Trobraise, qui est un cercle. En fait, on revient au point de départ, et là ou comme le pèlerinage de Shikoku, hein, qui est un pèlerinage au Japon, qui est aussi une circumambulation. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir bouclé la boucle et puis d'avoir accompli son pèlerinage. Tandis que le chemin de Saint-Jacques, en fait, quand on arrive au Finistère, eh bien, autrefois, on revenait à pied. Donc là, en effet, on finissait son pèlerinage. Là, le pèlerinage reste ouvert, hein, on arrive au bord de la mer. Et donc, il y en a beaucoup qui sont on appelle ça des pèlerins multirécidivistes, hein, qui reviennent sans cesse sur le chemin, qui en font un, qui en font deux, qui font différents chemins, parce qu'il y a multiples chemins de Saint-Jacques, qui le font en patin roulette, qui le font en planche à voile, en tracteur, certains. J'ai vu ça dans les... voilà. Outre le pèlerinage de Compostelle, il y a un événement dont vous vouliez nous dire quelques mots. Oui, alors on organise au titre de... Parce que je suis journaliste au Pèlerin, à l'hebdomadaire Pèlerin, donc au titre de Pèlerin et avec le Forum 104, hein, qui est un lieu dédié à toutes les spiritualités, au 104 rue de Vaugirard, dans un endroit magnifique où il y a un beau jardin. On organise chaque année un Forum des chemins. Alors c'est le rendez-vous des pèlerins et des marcheurs en quête de sens. C'est-à-dire que c'est pas uniquement sur les chemins de Saint-Jacques, c'est pas uniquement sur les chemins de pèlerinage, mais c'est tous les marcheurs qui ont envie de trouver du sens à leur voyage. Et donc ce forum aura lieu donc cette année du 27 au 29 mars, hein, ça commence vendredi soir et ça se termine le dimanche soir. Donc il y a à la fois des conférences audiovisuelles, des films, des tables rondes, des ateliers pratiques. Il y a environ 70 stands, hein, autant des chemins que des auteurs qui dédicacent. Il y aura des expositions, une messe, bien sûr, et puis des balades dans Paris. Et l'invité d'honneur est Alix de Saint-André, qui nous fait l'honneur de venir à ce forum. Hein. Elle a écrit un livre bien connu qui s'appelle « En avant-route » chez Gallimard. Et donc, ce sera notre invité. Merci beaucoup, Gaëlle, de cette organisation et d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je peux juste donner le numéro de téléphone pour ceux qui veulent se renseigner, hein, au Forum 104. C'est 01 45 44 01 87. Voilà. Et puis sur le site du Pèlerin, hein, www.lepèlerin.com, vous aurez toutes les informations tout le pour programme. Ce forum. Merci beaucoup, Gaëlle Delabrosse, d'avoir été avec nous. Merci à vous pour vos nombreux livres qui nous invitent à marcher. Merci. Merci beaucoup. Et merci, alors. Et bonne route à tous. Bonne route, bonne et belle route à vous. Gaëlle vient de nous parler de l'éloge de la lenteur. Alors moi, je voulais rebondir sur son prochain séminaire, qui était sur la quête de sens. Je dirais, en fait, le voyage, alors là autour de la table, il y a plutôt des gens qui voyagent loin. Donc on est parti, on a traversé la moitié du monde en vélo, on a fait... l'Antarctique, le tour du monde, voilà. Donc ce sont des voyages assez lointains, qui sont pour rencontrer l'inconnu. Déjà, on peut voyager très près, donc je dirais, on peut aller, j'allais pas dire jusqu'à Versailles, mais quand vous êtes parisien, mais c'est déjà un petit voyage. Mais chacun dépend de ses... On peut aller à Aubervilliers ou à Issy-les-Moulineaux.
Pourquoi pas? Pourquoi vous rigolez? Non mais c'est ça, et pourquoi pas, il y a des chances, sans doute des voyages à faire à Aubervilliers, sans doute, à découvrir, déjà découvrir son quartier. Est-ce que tous les Parisiens ou tous les gens qui habitent dans les grandes villes en France ou ailleurs connaissent leur quartier? Et ensuite, c'était quel est le sens qu'on donne au voyage? C'est-à-dire que nous, là, pour l'instant, dans les jeunes qui sont autour de toute cette table, c'est plutôt évidemment un sens assez aventurier, d'aller se confronter un peu soi-même voilà, au voyage. Mais ça peut être, est-ce qu'on veut un sens historique? Est-ce qu'on veut un sens touristique? Est-ce qu'on veut remplir son fil Instagram? Ce qui est aussi, bon, pourquoi pas, hein, c'est pas forcément le sens de celui qu'on a autour de la table, mais c'est pas forcément néfaste. Voilà, est-ce que c'est pour rencontrer des gens? Est-ce que c'est pour rencontrer des vieilles pierres? Voilà. Le sens, en fait, qu'on donne au voyage est important, et je trouve que la réflexion était pas mal, moi. Paul. Sur cet aspect historique, je repense, en fait, on a sous les yeux le livre de Sylvain Tesson et de Thomas Guasque, En avant, calme et fou, et où on a notamment quelques clichés de leur grande épopée entre Moscou et Paris, où donc Cédric Grain, vous étiez aussi membre de cette équipée, et qui, je pense... On vous voit maintenant. Oui, c'est bien la radio. Les risques de la radio. C'est l'embourgeoisement de la radio. On gagne en respect dans les studios. Et donc, il y avait en fait, dans ces livres qui ont été écrits à propos de... Je vais te dire tu, Paul, comme ça, ce sera plus simple. Une vraie notion historique. Sylvain Tesson écrivait, je crois, en disant à Cédric, tu sais, il y a 200 ans, des types rêvaient d'autre chose que du haut débit. À l'époque, ils rêvaient de voir scintiller les bulbes de Moscou. Et finalement, c'est un peu un voyage mémoriel que vous tous, vous étiez 5 ou 6, je crois, avez fait durant ce voyage. Est-ce que, en tout cas pour moi, c'est une source d'inspiration, mais je pense que c'est quelque chose qui est partagé ici autour de la table par toi, Cédric. Cédric ? Oui, moi, quand on est parti faire cette route de la Bérézina, enfin pas de la Bérézina, le livre s'appelle Bérézina, mais de la retraite napoléonienne Moscou-Paris, je ne soupçonnais pas qu'on ressentirait autant d'émotions sur les grands champs de bataille. C'est quelque chose d'assez inattendu, finalement. Évidemment, c'est parce qu'on sait ce qui s'est passé. On sait que beaucoup de gens sont morts, mais il y a quelque chose qui se dégage de ces endroits, de ces hauts lieux historiques. Et vous qui nous écoutez, dites-nous aussi ce qui se dégage des lieux que vous avez visités. Dites-nous quel est le plus beau voyage que vous ayez fait. Dites-nous aussi quel est le voyage dont vous rêvez. Et pourquoi vous en rêvez? Dites-le nous par téléphone au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00, par mail, écoutedanslanuit@gmail.com. Et en attendant vos appels et vos messages, nous allons écouter The Highwaymen, un groupe composé de plusieurs chanteurs de country américaine. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avions largué les amarres avec les Marins d'Iroise. Nous arrivons maintenant en Amérique et nous allons écouter donc cette chanson qui parle de voyage et encore de voyage, The Highwaymen. Radio Notre-Dame. I was a highwayman. Along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade, and many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. I was a sailor, I was born upon the tide, and with the sea I did abide. I sailed a schooner round the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I am living still. I was a dam builder, crossed the river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the wild Colorado.
I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that great tomb that knows no sound, but I am still around. Always be around and around and around. I fly a starship across the universe divide, and when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again, or I may simply be a single drop of rain, but I will remain. And I'll be back again, and again, and again, and again, and again, and again, and again. The Highwaymen, chanté The Highwaymen. The Highwaymen, c'est le nom du groupe, et The Highwaymen, c'est le nom de la chanson, un quatuor composé de Chris Christopherson, Waylon Jennings, Willie Nelson et Johnny Cash. Et alors, ce qui est magnifique avec cette chanson, c'est que ce sont des chanteurs de country music. Donc, chacun parcourt l'Amérique en chantant. Alors, parcourez, pour ceux qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui, parcourez, aller de ville en ville, de concert en concert. Et puis, il y a eu un jour où ils se sont retrouvés tous les quatre dans la même ville. Ils sont montés sur la même scène en même temps. Et ils ont écrit ensemble cette chanson qui parle donc des péripéties du voyageur, et ce voyageur à qui il arrive plein de choses, mais qui arrive sans cesse, malgré ses déboires, à repartir. Alors, nous sommes toujours dans le studio d'écoute dans la nuit avec Paul, Cédric, Antoine, Anatole et Aldric. Voilà, maintenant je ne les appelle plus que par leur prénom, c'est l'intimité de ce voyage qui fait cela. Et avec vous, chers auditeurs, appelez-nous pour participer à cette émission, pour réagir, pour poser vos questions, pour nous dire quel est le plus beau voyage que vous ayez fait, ou pour nous dire quel est le voyage dont vous rêvez, et nous dire pourquoi. Appelez-nous au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous écrire écoutedanslanuit@gmail.com et nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et n'hésitez pas, si vous y êtes, à mettre un petit pouce vers le haut, à partager ce direct, à mettre dans les commentaires ce que vous inspire également cette émission. Alors, on a déjà de nombreux appels d'auditeurs qui nous arrivent, mais avant cela, j'ai envie de vous demander, chers amis, peut-être de nous parler d'une rencontre que vous avez faite et qui vous a marqué durant vos voyages. Paul. Alors, j'ai en tête notamment une rencontre au fin fond du Xinjiang, donc une province chinoise dans le nord-ouest de la Chine, au nord du désert de Gobi et du Taklamakan. C'est un endroit où il faisait moins 30 degrés. Je pédalais depuis des jours en dormant sous la tente. Je commençais à en avoir quand même un petit peu marre, disons. À la fin, c'est un peu long. Et je demande l'hospitalité à des bergers en me disant, bon, de toute façon, ça fait 50 fois que je me fais refuser parce que systématiquement, on m'explique que c'est trop compliqué et qu'on ne peut pas m'héberger. Donc bon, on ne sait jamais, mais pourquoi pas, quoi, peine perdue. Et là, ils m'ont accueilli. J'étais très fatigué par le froid, par l'effort physique. Et ils m'ont permis de refaire mes forces. La dame m'a cuisiné un super plat de pâtes maison très très revigorant, et puis moi j'ai commencé à dormir, et puis en fait après elle m'a réveillé en me disant non mais maintenant on va dîner, parce que son mari et son fils étaient rentrés du travail, et donc là on a recommencé à dîner. Là au moins vous dites l'hospitalité est toujours là, la providence veille, et même lorsque parfois on est au bout de sa vie, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Alors, je vous propose maintenant d'en parler également avec Maryse qui nous appelle de Paris. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous tous. Alors, Maryse, je suis passionnée par tout ce que vous dites, tout m'interpelle. C'est compliqué quand on a beaucoup voyagé comme moi, dans le sens où on est voyageur ou pas, c'est de naissance, c'est dans nos gènes, quoi.
Moi, à 6 mois, j'ai connu mon père en Tunisie. J'ai pas arrêté de voyager, de déménager. Et puis après, j'ai fait un tour du monde en bateau avec mon mari et ma fille, de La Rochelle jusqu'en Polynésie. La lenteur m'a interpellée. Le fait d'aller lentement quelque part, c'est pas... Et quand on voit des gens qui prennent l'avion, qui déboulent quelque part, qui prennent des tas de photos, mais ils n'ont pas gagné leur voyage, ils n'ont pas la saveur du temps de... Bon, bref, pour aller vite. Après, je suis allée en Thaïlande, en République dominicaine, le bateau, le machin, j'ai repris l'avion. Et puis maintenant, mes voyages, ils deviennent intérieurs. Je suis allée avec Notre-Dame, avec le père Guy Gilbert. Et puis maintenant, j'ai envie d'aller à Lourdes. Ça m'a donné envie de me recentrer sur moi. Ça m'a appris tellement de choses. On se sent tellement humble. On apprend la vraie valeur des choses. On se cultive, on est curieux. À 68 ans maintenant, j'ai plus envie de prendre l'avion. Et c'est pas très écolo. J'ai envie de me recentrer sur moi. Si, peut-être aller voir les Mayas, les Aztèques, je sais pas quoi. Quand même. Ça m'a donné des valeurs intérieures. Et donc le voyage dont vous rêvez, c'est le voyage intérieur. Est-ce que vous diriez que le voyage était une école d'humilité pour vous, Maryse ? Absolument, c'est ce que je viens de dire. Ça nous apprend les vraies valeurs, une école d'humilité, une école... Et ça nous permet aussi de se recentrer sur nous, mais nous recentrer dans l'univers tout entier. On fait partie du monde, des hommes. Il y a des gens qui vivent différemment, on est tolérant, on apprend leur culture. Au Sénégal, sur le Sine Saloum, j'ai mangé du mil dans une casserole avec un tout petit poisson. Et puis pour aller faire pipi, il y a tous les gens du village, les enfants qui m'ont accompagné aux latrines. C'est convivial. Avec un broc d'eau pour me laver. C'est des souvenirs incroyables, mais il faut l'avoir vécu. Je ne sais pas comment expliquer, et c'est beau, mais on se sent humain. Mais il faut l'être à la base. Il faut être adaptable, il faut être humain, il faut être... Non, mais la rencontre humaine dans le voyage, c'est aussi un début. Moi, on peut voyager pour l'aventure, on peut voyager pour voir quelque chose, pour voir un joli lac ou une jolie... Effectivement, des temples incas. Et on voyage aussi pour rencontrer les humains, les hommes, les autres, l'étranger. Oui, mais les paysages aussi, moi, en bateau, j'ai passé des nuits en mer, j'ai tenu des quarts, j'ai vécu des tempêtes. Mon mari, moi, ma fille, de La Rochelle jusqu'en Polynésie, on est passé partout, on a vécu des trucs pas possibles. Mais des levées de soleil, des levées de lune, des ciels magnifiques, mais on se sent... c'est trop beau la nature, c'est trop beau la vie. Et alors, vous vous repériez avec les étoiles, avec les astres pour naviguer ? Oui, bien sûr, au sextant. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. C'est arrivé qu'après. Pour naviguer dans vos voyages intérieurs, Maryse, est-ce que vous lisez également ? Absolument. Alors, est-ce qu'il y a un titre ou deux titres que vous avez envie de citer, à part le livre de Paul et Cédric Emmanuel Schmitt. Oui. Et puis, d'autres titres, non. Eckhart Tolle, le voyage intérieur, être soi-même, Maryse, merci beaucoup pour votre témoignage. Pour vos voyages. Merci d'avoir voyagé jusqu'à nous par téléphone, si j'ose dire. Vous me faites voyager. Ce qui m'exaspère, c'est ces voyages en avion où on apporte des tas de touristes quelque part qui sont avec leur téléphone, leur truc, leur tablette. Alors, on va en parler justement. Nous, ils ne le gardent pas dans leur cœur. On va en parler justement. Maryse, merci beaucoup pour votre appel. Je vous en prie. Et on continue à voyager ensemble. Je salue également Ariane qui nous a laissé un message pour nous dire, elle aussi, que c'est pas forcément la peine de faire le tour du monde, qu'un voyage intérieur, c'est déjà un très beau voyage. Merci à Ariane pour son message également. Je voudrais rebondir sur ce que Maryse vient de nous dire sur les touristes qui envahissent, c'est parfois le mot, certains endroits, jusqu'à les dégrader. Et j'ai envie de vous demander, quelle est pour vous la responsabilité du voyageur quand vous allez quelque part, Cédric ? D'abord, quand on passe une frontière, il n'y a pas de case explorateur, de case voyageur. La case, c'est touriste. Soit vous êtes là pour des raisons professionnelles, soit vous êtes là pour des études, sinon vous êtes touriste. Donc, il ne faut pas non plus imaginer qu'il y aurait des classes sociales chez les touristes. Sinon, Marx va vous écrire un petit manuel sur
idéologique sur la chose. On est tous égaux. Il y a les bons et les mauvais touristes. Voilà. Oui, alors il y a peut-être des comportements, c'est vrai. Mais enfin, on est quand même tous touristes. Et quant à l'histoire des lieux surfréquentés, c'est surtout la somme de milliers de touristes individuels, de milliers de nous, quoi. Donc il faut quand même relativiser tout ça. Il n'y a pas de gentil touriste et de méchant touriste. Il n'y a pas des gens qui sont supérieurs, voyageurs. On se proclame toujours être le bon touriste, voilà, qui lui respecte. Mais on est des milliers de bons touristes qui lui respectent. C'est ça, qui c'est la somme de nous tous, quoi. C'est l'addition. C'est là que c'est un peu... C'est difficile comme question, bien sûr, parce qu'on aimerait tous être les premiers... être seul, surtout. Les premiers, c'est encore autre chose. Mais être seul... Oui, lorsqu'on voit dans les guides, les Lonely Planet ou Guide du Routard, quelque chose d'atypique, en fait, c'est déjà un oxymore. Se dire si quelque chose qui est atypique, qui est noté dans un guide touristique, ça ne peut pas être atypique. Ça peut être atypique, mais ça va être très fréquenté. Ça va être, voilà. En tout cas, ça va être très fréquenté, forcément. Ça va l'être pendant une semaine après la publication. Et donc, nous sommes tous le touriste de quelqu'un. Et est-ce qu'il y a des règles de base pour être un bon touriste? Écouter avant de parler. Et puis... parler tout court, mais... Essayer de toujours se demander, est-ce que je dérange la personne qui est là, sur place, le local, l'autochtone. Est-ce que je le dérange par ma présence, par mes gestes, avant de se dire, mais j'ai bien le droit. Avant d'avoir des droits, on a souvent des devoirs. Et il ne faut pas oublier qu'on est toujours quand même invité dans ces pays. On reste un étranger venant d'une autre patrie. Et donc, de toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qui, aujourd'hui, me donne le droit, mais en fait, ce qui me donne le droit, ce sont déjà les devoirs que j'ai envers les personnes et les sites sur lesquels je me trouve. Aldric ? Moi, j'allais dire que si on le dérange, c'est plutôt bon signe. Parce que si on l'arrange, ça veut dire qu'il vous attend pour vous vendre sa pacotille. Oui. Vous êtes dans un lieu du tourisme, il vaut mieux le déranger. Donc, donc écoutez avant de parler. Ne pas déranger, mais parfois, on ne sait pas qu'on dérange. Il y a la fameuse phrase scout, qui était que quand on quitte un lieu de camp, on ne doit laisser que des traces de pas et des merci. Je pense que le touriste, alors les traces de pas, le problème, c'est que quand vous êtes des milliers, notamment le cas très célèbre du Machu Picchu, qui est complètement envahi de touristes, et où 50 touristes par jour ne font aucune trace, mais 10 000 par jour, ça ruine le site. Il y a le problème de la trace de pas, quoi. Donc, même si c'est tous des gens, si c'est 10 000 personnes respectueuses, on est 7 milliards sur Terre. Tous n'ont pas les moyens, malheureusement, de voyager. Hein. Le voyage, ça reste quand même un moyen de luxe, un loisir de luxe. Faut être totalement conscient du fait, même en Europe, hein, même dans les pays développés. Sauf qu'on a tous envie de voyager et que on considère que le voyage en Creuse, c'est plus un voyage. Et que pour voyager, il faut aller à l'autre bout du monde. Alors c'est vrai qu'ici, autour de la table, on est peut-être des mauvais exemples parce qu'on est tous allés dans des coins du monde un peu perdus. Donc on fait partie de ces, même si on est personne n'est allé au Machu Picchu autour de cette table, on fait partie de ces touristes qui sont Cédric. Je me souviens, mais c'est les premiers chocs, quoi, parce qu'effectivement c'est ce que raconte Alric. Je savais qu'il y avait un C à la fin. Et on a lu plein de bouquins qui ont été écrits 50 ans avant, quand tout était merveilleux, et puis on arrive et boum, la foule. Et la foule de c'est pareil. Souvent, c'est quand on va au Machu Picchu, c'est pas des agences, c'est pas des cartes de Chinois qui débarquent. Hein, c'est plein de voyageurs individuels, donc des gens comme vous. Et c'est ça qui est le plus terrifiant. C'est aussi une école d'humilité, comme Marius nous en parlait tout à l'heure. Oui, bien sûr. C'est sûr. Oui. J'ai eu la chance de voyager en Inde, de pouvoir conduire moi-même. Moi, on a fait avec un ami un trip en Inde pendant un mois. Et on conduisait nous-mêmes. Et on a pu aller au Taj Mahal, qui est absolument splendide. Hein, si quelqu'un vient en Inde, il faut aller voir le Taj Mahal. C'est pas une obligation. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, vaut le détour. C'est comme dans les cartes Michelin d'autrefois, c'est vaut le détour. Et c'est absolument splendide. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un monde fou. Mais ça n'empêche pas que c'est absolument splendide à voir et que ça vaut complètement le voyage. Alors, il n'y a pas qu'au Taj Mahal qui est un monde fou. Il y a aussi à l'écoute d'écoute dans la nuit. Vous êtes nombreux à nous appeler, à nous envoyer vos messages. Continuez au 01 56 56 44 00 pour nous dire quel est le plus beau voyage que vous ayez vécu ou pour nous dire quel est le voyage dont vous rêvez et pourquoi vous en rêvez. Dites-le nous au 01 56 56 44 00 ou par mail à l'adresse écoutedanslanuit@gmail.com et vous pouvez aussi nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et nous poursuivons notre voyage dans quelques instants.
Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'écoute Radio Notre-Dame parce que c'est une radio qui donne du sens à l'actualité. Le matin, quand j'allume la radio, n'importe quelle radio, globalement, les nouvelles sont mauvaises. Et chez Radio Notre-Dame, on a une tonalité différente, on a un angle différent. En fait, la question de la foi et la question de l'espérance véhiculées à travers toutes les émissions de Radio Notre-Dame me permettent, à titre personnel, de ne pas être complètement désespérée sur le monde. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci. Radio Notre-Dame. Écoute dans la nuit, il est 23h. Radio Notre-Dame. Nous poursuivons nos récits de voyage en compagnie de Paul Bablot, Cédric Gras, Antoine de Chevigny, Anatole Obolensky et Aldric de Saint-Palais qui arrivent des 5 continents pour nous parler de leur voyage, ce qu'ils ont fait, ce dont ils rêvent. Et pour en parler avec vous, chers auditeurs, appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour nous dire quel fut votre plus beau voyage ou quel est le voyage dont vous rêvez aujourd'hui et pourquoi vous en rêvez. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous écrire à écoutedanslanuit@gmail.com ou nous suivre en direct vidéo sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. N'hésitez pas à aller voir ce qui s'y passe, à commenter, à partager cette vidéo et à mettre un petit pouce vers le haut si vous y êtes. Alors, nous avons déjà parlé de beaucoup de voyages, nous avons parlé de vos rencontres, des responsabilités du voyageur. Je voulais juste revenir un petit instant sur cet éloge de la lenteur dont nous a parlé tout à l'heure Gaël, dont nous a parlé aussi Maryse. Est-ce que parfois, aujourd'hui, on a tendance à vouloir aller trop vite dans un voyage ? On a toujours, on a toujours tendance, effectivement, à vouloir arriver directement là où on a prévu. De se dire, tiens, il y a telle chose, et puis on a 5 semaines de vacances par an, une à Noël, deux l'été, et puis 3 autres éventuellement pour se faire un autre voyage. Donc c'est court, et donc forcément, on a envie d'aller, d'aller directement droit au but. Et justement, cet éloge de la lenteur, ça permet de rentrer dans le voyage, et puis le voyage n'a pas la même saveur lorsque vous avez attendu, lorsqu'on est... On a passé 1, 2, 3, 4 journées à faire une marche d'approche pour arriver jusqu'à la montagne qu'on va gravir, que lorsqu'on y arrive en hélicoptère, comme Cédric. J'entends des ricanements. Il balance. Alors que lui, il s'est fait tracter par une voiture en Ouzbékistan et il s'était accroché derrière la remorque. Alors nous avons un message de FACR, je ne sais pas comment il faut le prononcer, sur YouTube, qui nous dit « Mon plus beau voyage que j'ai fait, c'était mon séjour d'un mois en Israël, dont une semaine à Nazareth, comme étudiant en archéologie biblique. » Un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps, effectivement. Est-ce que, justement, les voyages, c'est une occasion également d'apprendre ? Oui, beaucoup. Comme on lirait un livre, on parcourrait le monde ? Oui. Alors, moi, ça me fait notamment penser à un des voyages que j'aimerais bien faire. C'est en Éthiopie, pour voir donc les églises qui sont enfouies, les anciennes églises, les premières églises de chrétiens. Ça, c'est un voyage qui est... Bah, l'Éthiopie, quand même, qui est assez exotique. Et aussi, du coup, comme voyage dans le temps, c'est difficile de faire mieux, d'aller aussi loin.
Aldric. Moi, j'étais en Afrique. J'ai eu la chance de vivre en Afrique. Et il y a donc j'y ai vécu. Donc, est-ce que c'est un voyage? Je sais pas, mais j'y ai vécu. Et j'ai eu la chance dans mon travail de rencontrer des communautés assez isolées. Donc, on y rencontre un autre mode de vie, complètement détaché du monde. Pas détaché du monde, mais détaché de notre monde. Détaché de notre monde, ce qui est différent. Et c'est aussi un voyage dans le temps. Moi, on se dit, voilà, ils vivent comme ça depuis 2000 ans. Ils ont un peu évolué, parce que quand même, le contact avec la civilisation occidentale, alors je dis pas que c'est... ils sont pas civilisés, hein, c'est juste le contact de différentes civilisations les a quand même changés. Mais on se confronte à une autre façon de vivre, donc une rencontre voilà, dans le temps aussi, humaine et dans le temps, en fait. Alors, un autre message qui nous vient de René de Port-Marly. Alors, René, lui, il a la même idée que Cédric, il veut être le premier homme à aller sur Mars. Et il est prêt à se sacrifier pour ça. Oui, parce que moi, je veux revenir. Je n'avais pas précisé tout à l'heure. Alors, voilà, c'est la course, René, entre René et Cédric, c'est la course. Qui sera le premier sur Mars? Alors, René dit, je suis prêt à me sacrifier pour ça. Est-ce qu'il faut se sacrifier pour un voyage? Est-ce que vous, dans vos voyages, vous êtes déjà senti dans des situations difficiles, en danger? Je crois qu'il a crevé à vélo en Ouzbékistan. Non, voilà. J'ai pas crevé en Ouzbékistan. J'ai crevé 5 fois dans la même journée en Ouzbékistan. Et après, j'ai acheté des pneus en Kevlar avec une membrane qui permet de ne plus crever. Ça, c'est du sacrifice. Un gros sacrifice. Et, bah, est-ce que le sacrifice financier, c'est quand même le genre de moment où vous vous demandez vraiment ce que vous fichez là. Vous dites, mais c'est pas possible, c'est complètement absurde de vouloir traverser la moitié de la planète à vélo, alors qu'il y a des avions, alors qu'on pourrait le faire à moto ou en voiture, déjà, ça, on serait sur la route, ça irait plus vite. Il y a une logique d'acceptation, oui, dans le voyage, d'accepter un petit peu cette fatalité, et c'est aussi ce qui en donne du goût. Parce que c'est toutes ces petites aventures, c'est bah voilà, là un Ouzbék qui allait me chercher une chambre à air, qui a regardé ma chambre à air, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et je l'ai vu revenir un quart d'heure après avec une autre chambre à air, mais c'est sûr qu'avec 4 ou 5 rustines sur une chambre à air, au bout d'un moment c'est plus possible. Mais j'ai jamais imaginé une seule seconde qu'il pouvait aller m'en acheter une, et de la bonne taille en plus, surtout de la bonne taille. Le compas dans l'œil, Anatole. Oui, des histoires où on a failli, on n'est pas passé loin. Il y en a eu quelques-unes dans mon voyage. Il y a celle où, par inadvertance, on se met dans des situations qui sont dangereuses. Et après réflexion, etc., on ne l'aurait peut-être pas fait, on aurait réfléchi d'une manière différente. Et il y a aussi le risque, parfois, dans l'agression. Il m'arrive de me faire agresser physiquement, au Brésil notamment, avec une arme. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir forcément, mais qui laisse des séquelles. Et qui peut marquer négativement un voyage, un pays... Mais pour aller plus loin, on a l'impression qu'aujourd'hui, le voyage est beaucoup plus facile qu'autrefois. Quand on lit des récits de voyage de la première moitié du XXe siècle, même du XIXe, du XVIIIe, où les gens régulièrement ne revenaient pas, est-ce que le fait que le voyage soit moins dangereux aujourd'hui le rend moins intéressant? Alors, je ne sais pas s'il est moins dangereux aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore des endroits qui sont quand même assez dangereux. Certains, en tout cas. Et je pense que sur ce qu'on a perdu, si c'est plus facile de voyager aujourd'hui, oui, mais je pense que quand on voyageait il y a 50, 100 ans en arrière, on avait des moyens différents, on avait un temps beaucoup plus long, et je pense que l'expérience était différente dans le voyage que celle d'aujourd'hui. Voilà. Puis le grand avantage que l'on a, en tout cas, nous qui sommes autour de la table, c'est qu'on n'a pas voyagé il y a 50 ans. Donc de toute façon, on n'a pas de moyens de comparaison. Chaque époque a son voyage, chaque époque aussi a ses contraintes. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de réseau pendant 3 jours, tout le monde se demande ce qui s'est passé, si vous êtes toujours vivant. Et déjà, rien que ça, c'est un voyage. Hein. Un voyage dans le temps, un voyage... non, mais dans le temps, dans d'il y a rien que 20 ans hein, seulement. C'est WhatsApp, ça n'a pas 10 ans. C'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt avec Cédric sur Cuba, qui est un de ces endroits, moi je trouvais qui est assez intéressant. J'étais allé juste avant que ça, l'ouverture d'Obama, etc. Et cette possibilité de voyager dans le temps et de voir comment était le monde, justement préservé par ce blocus mis par les Américains, etc. Préservé, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mis de côté. Mis de côté, voilà. Non, sur les dangers. Et danger, bien sûr, que la planète est très dangereuse. Encore, je pense qu'il fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'information. On sait où c'est dangereux. À une certaine époque, ils allaient à l'aveugle, même concernant la météorologie. Hein. Donc nous, on a la chance d'avoir de l'information. C'est ça qui fait toute la différence. Les premiers touristes britanniques qui ont inventé le tourisme au milieu du 19e siècle, eux, allaient
eux allaient au bord de la Riviera à Cannes, donc considérer que aller faire le bord de la Méditerranée, c'était du tourisme, c'était du voyage, c'était déjà aller partir de Londres brumeuse dans le fog et descendre jusqu'au bord de la Méditerranée lumineuse et aller à Saint-Tropez, c'était absolument magnifique. Maintenant, on considère qu'aller à Saint-Tropez, bon, c'est plein de... Financièrement, c'est dangereux. J'imagine t'as essayé. Financièrement, on peut se faire prendre en traître par un barman. Par le gendarme Cruchot. Et par un barman, souvent, plus souvent. Mais voilà, donc, et maintenant, il y a encore 20 ans, on allait au Yémen, les plages de Socotra étaient absolument magnifiques. Maintenant, aller au Yémen depuis un ou deux ans, c'est extrêmement dangereux, malheureusement. Donc, il y a des zones qui s'ouvrent, il y a des autres qui se ferment. L'Afrique centrale était très très dangereuse il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années au moment des décolonisations. Elle l'est plus du tout actuellement. La Centrafrique, il y a certains pays qui reviennent, mais la Côte d'Ivoire était très calme et est devenue très dangereuse et redevenue calme et très touristique. Après, il y a des auditeurs qui seront contre. Je ne suis pas le Quai d'Orsay. Nous avons des auditeurs en Afrique. Notre émission est diffusée dans certains pays d'Afrique en direct. Dites-nous si vous. Mais après, moi, j'ai vécu en Afrique, dans une ville qui était considérée comme dangereuse, qui est en orange sur la carte du Quai d'Orsay. Et en fait, quand vous arrivez, vous prenez conseil avec ceux qui habitent, avec les expatriés, avec les locaux, et qui vous disent dans tel quartier, vous pouvez aller le jour et la nuit. Dans tel quartier, il faut y aller le jour, mais pas la nuit. Et dans tel quartier, il faut y aller ni le jour ni la nuit. Mmh. Et si vous n'êtes pas idiot, vous suivez les règles. Et en 3 ans, il ne m'est jamais rien d'arrivé. Ouais, mais ils sont un peu daltoniens au Quai d'Orsay. Ils confondent beaucoup les couleurs. Si vous suivez les règles, des villes qui paraissent très dangereuses ne sont pas fondamentalement plus dangereuses que certains quartiers d'Île-de-France. Sur ces classifications du Quai d'Orsay... Je pense que tous autour de la table, on a toujours un petit peu rigolé en les regardant, rétrospectivement surtout, de se dire « Ah, c'était en noir, j'y suis allé 3 fois ». Le consul général de France à Jérusalem me disait aussi que c'est en fait aussi un moyen pour eux d'avertir et de limiter le tourisme dangereux, le tourisme pour le risque. Alors, et ça, c'est quelque chose... Radio Notre-Dame n'encourage pas les gens à aller dans les zones dangereuses. Il ne faut pas non plus... Voilà, aller en Libye. Exactement. Moi, j'ai vécu un an dans une zone rouge. Je ne me suis absolument jamais senti en insécurité. Je suis sorti la nuit, etc. C'est qu'il y a aussi d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte dans ces classifications. Et vous avez une zone jaune qui peut être de facto très dangereuse à certains moments et une zone rouge pas dangereuse à d'autres moments. Et tout dépend de beaucoup de paramètres. Et il faut arriver à être à l'écoute de la situation locale, connaître les locaux, comme le disait Aldric, qui vont vous dire non. Tel endroit, il faut y aller seulement le jour ou tel endroit, aucun problème, bien sûr. Alors que ça peut parfois être à quelques kilomètres de distance, centaines de mètres. Il suffit de voir aussi le regard d'autres pays développés sur la France. Je pense au conseil aux voyageurs américains quand ils viennent en France pour s'apercevoir qu'effectivement, certains sont à nuancer. Autrement dit, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas plus facile de voyager aujourd'hui que ça ne l'était hier. Non, mais il y a une géopolitique... qui change. La génération de mon père, par exemple, c'était la route des Indes. Ils allaient tous à Katmandou. Mm-hmm. C'était la Yougoslavie, après la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, qui était très fréquentable à l'époque. Ça, c'est une route qui est pas impossible, mais qui est quand même globalement fermée aujourd'hui. Elle s'est déplacée plus au nord, puisque dans le même temps, l'Asie centrale ex-soviétique s'est ouverte. Et maintenant, on va en Orient par l'Asie centrale. C'est un peu la route de notre génération. Mm-hmm. C'est ce qu'a fait Paul, d'ailleurs. La route de la soie, vous voulez faire un peu. Mm-hmm. Mais voilà. Alors, ça, c'est un peu une route qui s'est ouverte pour nous. Donc, à chaque époque, sa géographie politique. Sa géographie de la guerre, etc., etc. Nous avons un certain PW, que je salue, qui nous dit que, juste pour vous dire que mes meilleurs souvenirs de voyage, c'est manger du poulpe et voir des koalas. Donc un Australien. Sans doute. Des koalas en liberté. C'est peut-être pas l'Antarctique, effectivement. mais après, voilà, pour rebondir sur le koala et la remarque sur l'Australie que Cédric n'avait pas encore voyagé, visité, Le monde aussi se limite, l'Amazonie se restreint, l'Australie brûle. Alors après, toute l'Australie n'a pas brûlé, hein, faut pas non plus, voilà. Mais certaines beautés de notre monde sont en train de disparaître. Notamment le tourisme en est une des causes, hein, le voyage en avion. Est-ce que c'est plus facile de voyager qu'autrefois d'un point de vue logistique? Oui, ça, il n'y a pas de doute. Avant, le voyage en avion, c'était c'était extrêmement luxueux, c'était réservé aux riches, jusque dans les années 60. Maintenant, pour 50 euros, vous allez dans toute l'Europe. C'est facile de prendre ça sur Internet. Ce soir, là, pendant l'émission, on pourrait tous prendre des billets pour le bout du monde en moins de 5 minutes. Donc logistiquement, oui, c'est plus simple d'aller partout.
Est-ce que après, voilà, le Quai d'Orsay vous le dit non, le voilà. Et même en termes de préparation aussi, c'est quand même beaucoup plus facile maintenant de se renseigner sur qu'est-ce qu'il faut faire là-bas, où aller, où loger, enfin comment les transports fonctionnent, enfin à tous les niveaux quand même en termes d'information, on peut quand même être beaucoup mieux préparé que qu'il y a 20 ans. Et d'ailleurs, c'est aussi un côté où je pense qu'il y a 30 ans ou 40 ans, quand les gens voyageaient, ils avaient peut-être plus de découvertes, alors que maintenant, si vous allez sur Instagram, par exemple, et que vous tapez un endroit, vous pouvez voir déjà toutes les photos, vous pouvez faire la liste exactement de tout ce que vous allez voir et le voir un peu avant. Donc, bon, bien sûr, le voir en vrai, c'est quand même une expérience, mais ça enlève quand même un petit peu d'aspect de découverte. Et je pense que c'est quand même assez difficile maintenant d'aller dans un pays et sans rien regarder du tout, en fait, avant, sur Internet, de commencer, à mon avis. Enfin, personne ne fait ça. Et c'est là où peut arriver la déception. Hein. Pour ma part, j'ai été extrêmement déçu de Samarcande. Je pense que là, je vais faire bondir les auditeurs parce que... quand même, un peu snob, Paul. Hein, Samarcande, la grande cité timouride, dont on fête d'ailleurs aujourd'hui la mort de Tamerlan à 35 ans. Bah oui, on le savait, mais bon anniversaire. Hein, Et alors, j'imaginais Samarcande, grande cité caravanière, arrivant avec mon fidèle destrier. Donc, puis je suis arrivé dans une banlieue industrielle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Tu voyais qu'il y avait encore des chameaux de Bactriane avec des sacs de coton. Exactement, et c'est pas tout à fait ce que j'ai trouvé. Et c'est toujours la difficulté lorsqu'on voyage à l'avance, c'est de se dire, ah mais je vais forcément trouver ça. Et puis, non, on trouve jamais ce qu'on a cherché et on trouve d'autres choses. Et donc, finalement, j'ai eu cette déception de Samarcande alors que j'ai été subjugué par Boukhara ou par Khiva. En Ouzbékistan, en poussant un petit peu plus loin sur la route de la soie. Pour revenir sur la question des poulpes et des koalas, peut-on aujourd'hui voyager tout en sauvant le climat? Ou est-ce que est-ce qu'il faut accepter un compromis? Est-ce qu'il faut se contenter de naviguer sur la marine à voile, comme une certaine jeunesse suédoise? Aldric? En sauvant le climat, je pense que non. En sauvant le climat, je pense que c'est contradictoire. Pour sauver le climat, il faudrait ne pas bouger. Moi, ça sert en tout cas limiter des mouvements au maximum. Par contre, en limitant son impact, ça c'est totalement possible, je pense. Mm-hmm. Effectivement, déjà aller moins loin. Hein. La France, c'est très beau. On a un écrivain célèbre français récent qui lui avait parcouru le monde et qui s'était rendu compte qu'il n'avait pas parcouru la France et qui s'est mis à parcourir la France du sud au nord. Les chemins noirs. Les chemins noirs de Sylvain Tesson. Donc, on peut déjà aller moins loin. La France, c'est très beau. Hein. Le Périgord, si vous aimez les châteaux, vous en avez un tous les 500 mètres. Hein. Donc, voilà. Si vous aimez les belles plages, vous pouvez aller dans le sud-ouest. Il y a des très belles plages au bord de l'Atlantique. Ou la Bretagne, c'est très beau aussi. Ou la Méditerranée. C'est plus froid. Non, mais il faut vexer personne. Donc, on peut aller moins loin. On peut faire attention que son moyen de transport. Tout à l'heure, elle nous parlait de son voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Gaëlle, nous parlait de son voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Ou voilà, donc on peut utiliser des moyens de transport moins coûteux. Mais est-ce qu'elle est revenue à pied? C'est ça la question. Allez, on peut aller en chemin de fer. Le train, c'est déjà moitié moins. Le train est un intermédiaire, par exemple, extrêmement efficace, notamment en Europe. Il est motorisé. Le train. Oui, bien sûr, mais ça reste un moyen peu dommageable pour l'environnement, quand même, même avec des locomotives diesel. Et vous qui voyagez, dites-nous comment vous vous y prenez, dites-nous ce que vous inspire cette émission. Dites-nous quel est le plus beau voyage que vous avez fait, comme Gaël tout à l'heure, ou Maryse. Dites-nous également quel est le voyage que vous rêvez de faire. Dites-nous où, dites-nous pourquoi, dites-nous quand, si vous le savez, dites-le nous au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Dites-le nous aussi par mail, écoute dans la nuit, @gmail.com. Et nous continuons également notre petit tour du monde musical. Après l'Amérique, nous arrivons au Japon avec Joe Hisaishi qui a composé pour ce film Le Château dans le Ciel, Kimi o Nozete. Radio Notre-Dame.
Oh no, c'était Joe Hisaishi, la musique du film Le Château dans le ciel. Et nous sommes toujours avec nos amis Paul, Cédric, Antoine, Anatole et Aldric pour parler de nos voyages et en parler avec vous, chers amis, chers auditeurs. Racontez-nous quels furent vos plus beaux voyages et quels sont les voyages dont vous rêvez aujourd'hui et pourquoi vous en rêvez. Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous écrire écoutedanslanuit@gmail.com ou nous le dire en commentaire sous le direct vidéo sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et nous avons encore de nombreux messages qui nous arrivent. Marie-Annick, les plus beaux voyages que j'ai faits dans ma vie sont mes deux voyages en Terre Sainte et mon rêve est de retourner à Jérusalem, ville en ébullition et sous tension permanente, mais qui élève l'âme vers le divin et l'infini comme aucune autre cité au monde. Qu'est-ce que l'on peut répondre à Marie-Annick sur Jérusalem ? On est d'accord. Tout simplement. C'est une ville ravissante. Merci beaucoup, Marie-Annick, pour votre message. Paul, durant votre voyage à vélo de la Thaïlande jusqu'à Paris, vous êtes allé à la rencontre des différentes communautés chrétiennes. Est-ce qu'il y a une manière chrétienne de voyager ? Je pense que la manière chrétienne de voyager, elle est d'être attentif à l'autre et de vouloir avant tout comprendre qui il est, d'où est-ce qu'il vient. Et de ne pas arriver comme un donneur de leçons, mais juste de rendre témoignage de ce que l'on est. Et l'évêque d'Almaty au Kazakhstan, Monseigneur Mumbiela Dasiela, me disait « Tu sais, le signe des chrétiens, c'est la joie. C'est sa joie d'être chrétien qui doit montrer le fait que tu sois chrétien. C'est pas d'avoir des croix dans tous les sens et d'arriver... avec tes grosses mains et tes grosses bottes. Regardez, je suis chrétien. Non, c'est est-ce que tu es joyeux et où est-ce que tu puises ta source de joie ? C'est beau ce que vous dites, Paul. Ce que tu dis. J'essaye. Allez, nous avons justement sur le sujet, nous avons aussi Edith. Bonsoir messieurs, je vous remercie pour votre programme. Mon plus beau pèlerinage a été à Lourdes, car on se sent au milieu du ciel et de la terre. Et elle voudrait visiter bientôt Saint-Jacques de Compostelle. Ma grande passion, c'est travailler et voyager parce que je pense que Dieu est dans la nature et dans l'échange avec les personnes du monde. Merci beaucoup, Edith. Edith qui rajoute qu'elle est une touriste à Paris depuis 30 ans. Elle a bien raison. Et je lui conseille d'essayer le métro. C'est très joli le métro le soir. Elle est émerveillée de découvrir différentes personnes et différentes cultures. Elle est une touriste ravie de découvrir le monde avec ses différences et chaque pays nous apporte ses richesses. Alors, elle voudrait dire aussi à la personne qui a critiqué les touristes qu'elle se trompe, car nous sommes tous des touristes sur Terre et il ne faut pas nous juger car elle ne voit pas nos cœurs. Est-ce que nous sommes tous des touristes sur Terre ? Qui a critiqué les touristes ? Personne. On ne dénoncera pas. Merci beaucoup, Edith, pour votre message. Allez, encore un autre message. Marie-Thérèse, qui a voyagé en Russie toute seule, Moscou, Saint-Pétersbourg, également en Autriche, où elle a pu découvrir les chefs-d'œuvre musicaux de ce pays. Elle nous dit que sa vie est une aventure, même qu'on n'a pas beaucoup de sous, on peut voyager, comme nous le disait Aldric tout à l'heure, on peut voyager dans sa ville. Et elle nous dit qu'elle a voyagé avec des vieux rafiaux. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce avec les vieux rafiaux qu'on voyage le mieux ? Paul ? Je dirais qu'en tout cas, il ne suffit de pas grand-chose pour bien voyager. On a tous des attentes différentes et Aldric disait tout à l'heure que... Le voyage est un peu un luxe aujourd'hui, mais ça reste un luxe accessible pour qui s'en donne les moyens. Parce que vous n'êtes pas obligé de partir en all-inclusive au Club Med à plusieurs milliers d'euros la semaine. Avec quelques centaines d'euros, vous pouvez déjà faire des très beaux voyages en France, en Europe ou même plus loin. Vraiment... La question financière ne doit pas être un obstacle au voyage et n'est pas foncièrement un obstacle au voyage. Par contre, si on veut aller sur Mars, c'est bien d'avoir quelques possibilités de découvert bancaire. Alors, il y a d'ailleurs, pour voyager à moindre frais et mieux rencontrer, comme nous le disait Edith, il y a l'autostop également. Oui, alors je pratique peu, mais je crois que Louis Auxine, toi tu pratiques. Oui, effectivement, je peux moi-même en témoigner. L'autostop qui est un beau moyen surtout de faire des rencontres. On s'aperçoit que les personnes qui prennent des autostoppeurs sont généralement des voyageurs seuls,
qui s'ennuient sur une route qu'ils connaissent par cœur. Et le contrat, c'est je te transporte et en échange, tu me fais la conversation. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris à poser des questions aux gens. C'est-à-dire que plus je posais de questions, plus j'allais loin en voiture. Alors, j'ai été à Madrid, à travers l'Amérique, à travers la France. Et c'est vrai que bah, j'ai pu faire énormément de belles rencontres comme ça. Alors, il faut juste avoir l'œil sur la carte pour vérifier un peu où nous sommes emmenés. Alors, chers auditeurs, si vous voyez un autostoppeur sur le bord de la route, vérifiez que ce ne soit pas moi ou l'un de nos autres invités. Paul. C'est d'ailleurs un sport étudiant, l'autostop. Hein. Il y a de nombreux concours étudiants. J'ai malheureusement jamais eu l'occasion de participer, mais où le principe est de partir le vendredi soir de l'école ou de la faculté où vous étudiez, et de revenir le lundi matin en cours et entre-temps d'avoir pris une photo le plus loin possible. Donc certains arrivent à aller jusqu'à Porto et revenir dans le week-end en autostop. Je trouve que ce sont des beaux défis à se lancer entre étudiants. Et puis vous en avez certains voilà, qui va aller vers l'est, un autre qui va aller vers l'ouest. Il y a toujours cette émulation. Et donc cette volonté d'aller encore plus loin, de faire mieux que l'autre, hein, on en parlait déjà au début, mais l'autostop, en 2 jours ou en 3 jours, vous pouvez être à Istanbul hein, depuis Paris ou depuis Brest. Hein. Cédric, est-ce qu'il y a de l'hélicoptère stop ? Non mais je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais travaillé pour Yalatus Bertrand, jamais. Et il dit ça, Paul, parce que d'abord il est jaloux, c'est la première chose. Et ensuite parce que j'ai pas mal été dans le Pamir et les montagnes du Tian Shan au Kyrgyzstan, qu'on appelle les Monts Célestes en français. Et il m'est arrivé d'aller sur des camps de base auxquels on ne peut accéder qu'avec des vieux hélicoptères russes, d'ailleurs en parlant de Rafio. Et bon, ben, quand on est obligé, que voulez-vous et c'est vrai que, bien sûr qu'il y a la question écologique, mais bon, d'abord au Kyrgyzstan, il doit y avoir un hélicoptère dans tout le pays, donc c'est pas non plus... mais c'est c'était l'idée de génie d'ailleurs de Yalatus Bertrand, la Terre vue du ciel, c'est magnifique. C'est pour le coup les gars qui sont à la station spatiale internationale et qui s'endorment avec en voyant en permanence la Terre vue du ciel. C'est qu'il y a quelque chose. Thomas Pesquet a fait beaucoup pour la pro-sauvegarde de l'environnement indirectement. Parce que oui, quelque part, voir la Terre de là-haut, c'est beau. Comment choisissez-vous les lieux vos destinations ? Est-ce que vous choisissez une destination, une ville ou une région, ou est-ce que vous choisissez un itinéraire ? Moi, je passe. Voilà. En fait, ça dépend. Déjà, il y a une réflexion sur est-ce que le voyage doit être solitaire, en couple, donc avec un compagnon, une compagne, ou en groupe. Déjà, ça limite. Moi, ça c'est déjà une première question. Parce que si vous êtes en groupe, il faut tenir compte du groupe, donc des avis du groupe, donc ça se décide en groupe. Après, vous pouvez être dictateur et dire « je vais là et suivez-moi », qui même me suivent, mais voilà, ça se décide en groupe. Et par contre, après, si vous êtes en solo, c'est facile. C'est une décision personnelle, ça peut être un voyage intérieur. Ça peut être un livre. Vous décidez de lire tout seul. Ça se fait. Est-ce que vous faites comme dans la pub, vous faites tourner la map monde et puis vous l'arrêtez un moment. J'aimerais bien, mais j'ai pas gagné au loto. Moi, donc malheureusement, il y a aussi la contrainte financière. Donc on peut pas tout faire. Effectivement, la contrainte financière est un frein. D'ailleurs, je crois que vous cherchez une map monde, Aldric. Oui, si quelqu'un a une map monde du début du 19e siècle, avec encore des coins qui sont terra incognita, ça m'intéresse. Voilà, je cherche. Donc si vous pouvez contacter Radio Notre-Dame et leur dire que vous avez une map monde à vendre pas trop cher, je suis preneur. Alors pour préparer le voyage, donc on choisit la destination, et puis qu'est-ce qu'il faut préparer d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui, ça y est, à vous entendre, ils ont envie de prendre leur sac à dos et d'y aller ? Quel conseil de base donner ? Il faut lire des livres, et je ne suis pas en train de prêcher par ma paroisse, mais en fait sur place on n'apprend pas forcément grand-chose. On peut faire des très belles rencontres, on en prend plein les yeux, mais il y a énormément de choses historiques, géographiques, savantes qu'on a dans les livres, et c'est vrai que c'est bien d'être accompagné par des lectures. Alors, ça peut être aussi en format audiovisuel, hein, mais avoir des livres avec soi, c'est quand même une manière d'approfondir. On peut pas tout apprendre tout de suite. Il y a énormément de choses que d'autres vous transmettent, qui ont travaillé dans ces endroits-là pendant des années. C'est la somme aussi parfois de siècles de connaissances, donc des livres, bien sûr. Et c'est vrai qu'il faut lire avant. En fait, c'est bien de lire avant ou après. Parce que c'est vrai que pendant, il vaut mieux profiter du voyage. Alors après, si vous êtes si vous êtes dans un train, il faut aussi prendre à lire pendant le voyage. Mais en général, pendant le voyage, il vaut mieux profiter de ce que vous êtes en train de vivre, rencontrer les gens, plutôt que c'est vrai que s'enfermer et lire son guide.
Quand vous êtes dans un musée, c'est mieux de lever la tête et de regarder les œuvres plutôt que de se baisser la tête et de lire ce que vous avez dans le guide. Alors, quels sont justement vos prochains voyages ? Puis-je vous demander, Paul ? Moi, j'ai un voyage un peu particulier parce que c'est un voyage de pas mal d'années qui est de me marier. Donc, c'est quand même un voyage un peu particulier, mais on verra où est-ce que ça nous emmènera. Voyage sans retour. C'est Mars, quoi. C'est sacrifice. Ah, c'est même Pluton, je pense, là. Je pense que là, on est au-delà du système solaire. Vénus plutôt, dans ce cas-là. Vénus, plutôt. Vénus, avec Vénus, bien sûr. Alors, le mariage pour Paul, est-ce que vous avez d'autres destinations ? Moi, je descends dans le sud-ouest. C'est un voyage aussi. En autostop ? Non, en train. Bon, donc il n'y a pas besoin de vous trouver un chameau ? Non. Mais par contre, je crois que vous vouliez aller en chameau. Vous rêviez à une époque d'aller en chameau jusque dans plus que le sud-ouest. Quand j'étais petit, je voulais aller à Saint-Jacques-de-Compostelle en chameau, oui. Alors tout à l'heure, nous avions commencé à parler des rencontres que vous avez faites. Paul nous en avait parlé. Est-ce que vous autres, vous avez également des rencontres que vous avez faites durant vos voyages qui vous ont marqué, que vous aimeriez partager avec nos auditeurs ? Anatole ? Oui, moi j'avais fait une rencontre qui m'a quand même beaucoup marqué. C'est pas une histoire forcément très joyeuse. C'était un jeune Canadien que j'avais rencontré au Machu Picchu, qui avait perdu ses deux parents quand il était parti. Il faisait tour du monde. Ses parents étaient partis en voyage à Katmandou, si je dis pas de bêtises, où il y a eu le tremblement de terre. Ses deux parents étaient décédés dans ce tremblement de terre. Et on avait passé la journée ensemble à faire le Machu Picchu. On avait beaucoup échangé. Et il revenait de la forêt amazonienne où il avait fait avec les chamans des expériences. J'ai oublié le nom de cette drogue qu'on peut prendre, peut-être que vous avez pour me le rappeler, où on peut prendre pour essayer de se reconnecter avec les morts, avec les gens qu'on a perdus. Et cette journée d'échange, etc., m'a beaucoup marqué. C'était quelque chose qui questionnait aussi bien la spiritualité que l'approche et aussi l'injustice, parce que ce garçon était reparti voyager maintenant qu'il avait des moyens plus conséquents et il n'arrivait plus à voyager, il avait perdu l'appétit, il avait perdu le goût et l'envie. Et il m'a beaucoup marqué, ce garçon. Antoine ? Voilà, une rencontre, alors pas forcément très marquante, mais j'avais trouvé très intéressante. L'année dernière, avec des amis, on était partis faire un road trip en Afrique et on est notamment passé par le Zimbabwe. Et donc, le jour où on y est arrivé, on a eu pas mal de problèmes dans la journée. On avait passé la frontière juste avant qu'elle ferme. C'était un peu limite. Il pleuvait à torrent, on voyait rien. Et finalement, on a trouvé une chambre d'hôte dans une ville près de la frontière dans le Zimbabwe, qui était tenue du coup par deux personnes, enfin qui vivaient là, qui logeaient là, et qui habitaient au Zimbabwe depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Et on a quand même pu pas mal parler avec eux de toute l'évolution du pays. De ce qui s'était passé, de comment eux voyaient, comment eux avaient vécu l'évolution de ce pays, qui est quand même assez particulier, notamment dans les 20 dernières années ou 30 dernières années. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Et en fait, je pense que j'aurais pas autant appris de ce pays-là si j'avais pas été vraiment sur place et discuté avec quelqu'un qui avait vraiment vécu tous les événements de ces 20 ou 30 dernières années. Cédric ? Ouais, les plus belles rencontres, moi, ça a toujours été les bêtes. Voir une bête sauvage. Les koalas, les poulpes ? Non, pour le coup, mais pourquoi pas, hein. Moi, j'ai rien contre. Hein. Il paraît qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant, des koalas. Mais justement, ça ne rendra la rencontre que plus fantastique. C'est vrai qu'on est sur une terre où rencontrer des hommes, c'est simple. Hein. Les bêtes, elles se font de plus en plus rares, en particulier dans dans la nature. Et à chaque fois que j'ai pu croiser des ours, par exemple, dans la taïga, c'est vrai que même si c'est assez bref, hein, c'est des images qui sont imprimées sur la rétine alors que ça dure quelques secondes, mais c'est imprimé pour la vie. Ouais. J'ai souvenir aussi en terre de Baffin, alors là, il y a une quarantaine, une cinquantaine de baleines autour d'un voilier sur lequel on était. Ça, c'est des rencontres qui marquent. Ouais. Et je pense qu'elles seront malheureusement de plus en plus rares et donc de plus en plus marquantes. Alors tout à l'heure, Maryse nous a dit que... Non, c'était Gaëlle, pardon, nous a dit que pour voyager, il lui fallait un but. Il fallait qu'il y ait de la beauté. Alors j'ai envie de vous demander aussi pourquoi vous voyagez. Et est-ce que parfois, c'est pas pour voyager, mais plus pour fuir ? C'est Baudelaire qui écrit dans Le Voyage, hein, le vrai voyageur est celui-là qui part pour partir. Tout dépend de son casier judiciaire au départ. Et vous ?
Quel est là le, s'il fallait dire pourquoi vous voyagez, pourquoi Anatole, vous avez fait le tour du monde? C'est moi qui veux commencer. Pourquoi Si vous voulez, on vous laisse réfléchir et on écoute ouais. Michel qui nous appelle d'Ivry. Voilà, comme ça vous pourrez patienter un peu. Michel, bonsoir Michel. Bonsoir monsieur. Comment ça va? Ça va. Ouais. Ça va mieux à partir de la montée. Non, ça va. Voilà. Bon, très bien. Oui. Alors, racontez-nous. Écoutez, moi. Bonjour à ces messieurs les invités, quand même. Hein. Voilà. Bonsoir. Et meilleurs vœux pour l'année. Hein. Voilà. On va me dire, le mois de février, il y a 11 mois et demi encore qui sont encore derrière, encore loin. Donc, tous mes vœux pour cette année. Les meilleurs, les plus grands, les plus nombreux. Hein, à vous-même, et à vos futurs voyages en même temps. Alors, moi, j'ai fait un voyage à Lourdes. Mm-hmm. Quand j'ai rencontré Dieu, j'ai tué mes premières années de chrétienté. Et ça m'a marqué, oui, bien sûr, mais c'était dans le domaine spirituel. C'est spécial, hein. C'est pas. J'avais été très longtemps athée, 31 ans, vous voyez, hein, opposé à tout ce qui était chrétienté, du reste, bon, politiquement marqué pour ça aussi, hein. Et donc, quand j'étais venu voyager à Lourdes, on a passé 3 jours à l'hôtel Saint-Sacrement, hein, à Lourdes, hein, très bel hôtel. Très bonne nourriture, chambre d'hôtel formidable et haute, hein, avec monsieur le prêtre, maintenant, comment, dit prophète, hein, qui a donné le château, mm-hmm. hein, qui était bon, voilà. Donc, ces 3 jours m'ont beaucoup marqué, et puis j'ai reçu des témoignages en même temps, puisque nous sommes partis en train, hein, jusqu'à Lourdes et haute. Et comment je veux dire, là, c'est là où j'ai eu les premiers témoignages de gens qui ont connu Dieu, qui ont vécu des choses avec le Seigneur et autres. Et pour vous, la conversion, c'est un voyage, Michel? Ah oui, en même temps, ah bah, ça a fait partie du voyage à Lourdes. Hein. Lourdes, bon, bien sûr, quand il y a Lourdes, bah, c'est tout ce qu'on a visité là, d'après les processions que l'on fait le soir et autres. Le matin, le bain, j'ai passé par les bains aussi, vous savez, et autres. Et tout ça, non, mais c'est. Comment vous savez, on explique avec le mot du mieux qu'on peut. Hein. Moi, ça a été très spirituel, ça m'a beaucoup marqué. Et c'était mes toutes premières années de chrétienté où j'ai rencontré le Seigneur. Hein. Et c'est là, c'est absolument merveilleux, il n'y a pas les mots pour expliquer. Et chacun, d'ailleurs, le vit personnellement quand il va à Lourdes, c'est vous dire, après tout le nombre de gens qui ont été là-bas, depuis le début à Lourdes, hein. C'est vous dire, chacun le vit personnellement à sa manière, mais le vit avec la présence de Dieu, avec c'est spirituel. Encore une fois, je le dis, c'est spirituel. Et c'est tellement beau, c'est tout un quand j'ai été, par contre, quand j'étais à 20 ans, quand j'ai fait mon tapis sur les drapeaux, j'ai fait ce voyage, on était parti en train avec tout le matériel militaire, parce que j'étais artilleur, donc on était parti au Côte d'Idon. Mmh. Hein, pour faire une démonstration d'artillerie, comment on tire à l'artillerie, enfin toute une préparation, c'est tout un système, hein, devant les élèves officiers du Côte d'Idon. Et j'étais très nombreux, puisqu'ils étaient tous en grand uniforme, à une certaine distance quand même derrière les batteries d'artillerie. Hein, c'était automoteur. Mmh. Hein, voilà. Donc, bon, obusier, 105 mm. Hein. Donc c'est tout ça. Mais là aussi, c'est particulier, c'est là j'ai vécu des choses aussi. Vous êtes engagé, après, engagé, vous avez vu du pays, Michel? Ah non, j'étais appelé sur les drapeaux, comme on disait à l'époque. Donc c'était J'ai fait, une année. J'ai fait 16 mois d'armée, hein, à la, dans le régiment, au 41e régiment d'artillerie de marine, à l'affaire dans le département de l'Aisne. Hein. Mm-hmm. Voilà, mais là, beaucoup de manœuvres, on a beaucoup manœuvré et haute et tout ça. Michel, dites-nous, s'il y a un voyage dont vous rêveriez aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Ah bah ce serait Israël, hein. Mais pourquoi Israël? Bah, écoutez, c'est là où est né le Christ. Hein. C'est là où tout a commencé, au point de vue de chrétienté. Hein. Mm. Or, il y a l'Ancien Testament, vous me direz, mais l'Ancien Testament, il suffit de lire Ésaïe 53 pour tout comprendre. Et dans bien d'autres comment, versets au travers des psaumes et autres, hein, où on parle, et voici, le Seigneur, notre Sauveur arrive, et autres. Mais qui c'est notre sauveur, déjà même sur le testament, c'est Jésus. Mais écoutez Michel, je vous propose qu'on organise ça et qu'on se retrouve là-bas. Bon, on va essayer. Ben oui, bien sûr. Comme Radio Notre-Dame organise un voyage en Israël une fois par an.
On peut y aller en bateau-stop. On peut y aller en bateau-stop. Moi, j'ai quitté Israël en bateau-stop, donc on peut faire une course en stop depuis Paris, depuis les locaux de Radio Notre-Dame, et jusqu'à on se retrouve à Jérusalem. Très bien. Michel, merci beaucoup. Oui, d'accord. Alors, ce que je vous dis, c'est que leur tour, Michel. On voyage déjà, même sans voyager. Mm-hmm. Par exemple, si vous lisez un roman, un livre, sur le Vietnam, vous allez voir des paysages du Vietnam sans y avoir mis les pieds. Et pourtant, vous y voyez des choses, des palmiers, vous y voyez peut-être des avions. À notre les images vont se, c'est un mystère, vont se former dans votre esprit. Et voilà, ou autre, Cambodge, c'est pareil. L'Amérique du Sud, c'est pareil. On y voit des choses. Bon, bien sûr, on a déjà vu déjà quelques images. Mais à partir de là, se forment personnellement des ambiances. Ambiance, et des images et autres qui se forment dans votre esprit. C'est ça, ça c'est un mystère merveilleux. Je crois que Dieu, la main de Dieu, même sans être chrétien, il est pour quelque chose, puisqu'il a mis ça dans chaque être humain terrestre, croyant ou non, même avec les ennemis de Dieu, même en étant ennemi de Dieu, ce que j'ai été pendant longtemps du reste. Avant que Christ. Et le voyage vous en a rapproché. Avant que le Seigneur Jésus-Christ me mette la main dessus. Michel, voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ah oui. Merci. Merci pour cette belle émission, parce que ça, même déjà merci pour beaucoup d'avoir été avec ça nous, Michel. Ça nous fait voyager. Ça nous fait voyager. Eh bien, merci beaucoup d'avoir voyagé avec nous. Merci, Michel. Et merci à vos chers invités. Oui. ils sont remerciés. Merci beaucoup. Salut, Michel, à bientôt pour un prochain voyage. Salut et shalom. Voilà. Au revoir. Merci. Alors, vous aussi qui nous écoutez, il est encore temps de nous appeler au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00, nous écrire à écoute-dans-la-nuit@gmail.com pour nous dire quel fut votre plus beau voyage ou quel est le voyage dont vous rêvez aujourd'hui. Dites-nous pourquoi. Et en attendant, nous écoutons. Alors, nous parlions tout à l'heure de train et de Michel nous racontait son service militaire. Nous allons écouter Allez, c'est exotique. Après l'Amérique et le Japon, voici Les Cœurs de l'Armée Rouge, la chanson de l'échelon qui nous fait voyager en train. Radio Notre-Dame. Oh.
C'était les chœurs de l'Armée Rouge qui nous ont menés en train, vous l'avez entendu, avec la chanson de l'échelon, nous emmener à travers la steppe pour conclure ce petit tour du monde musical ce soir. Et nous sommes toujours avec nos amis Paul, Cédric, Antoine, Anatole et Aldric pour parler de nos voyages, ces voyages qui nous emmènent très très loin ce soir. Alors, il y a une question sur laquelle j'aimerais revenir, c'est comment faire pour être chrétien en voyageant? Est-ce que pouvoir ne serait-ce qu'assister à la messe le dimanche, c'est une difficulté que vous avez pu rencontrer, Anatole? Oui, oui, bah c'est une difficulté qu'on a rencontrée très récemment cet été, quand on était en Mongolie, puisque la Mongolie faisait mis les cœurs de l'Armée Rouge avant, donc c'est un pays qui a été meurtri par le communisme. Hein, mm-hmm. La chrétienté a beaucoup souffert sous le communisme mongol. Et du coup, cet été, on a eu beaucoup de difficultés. On a dû modifier notre voyage et rentrer sur Ulaanbaatar pour trouver une messe le dimanche. C'est un exemple très concret, je pense. Mm-hmm. Une des difficultés. Paul ? Moi, j'ai eu l'expérience pendant 5 semaines entre l'Ouzbékistan et Téhéran. Donc, entre les deux, vous avez le Turkménistan, qui est une charmante démocratie à la mode soviético communiste, voilà, qui fait partie donc des dernières dictatures de la planète. Donc 5 semaines où j'ai pas pu aller à la messe. Et c'est vrai que c'est là où on s'en rend compte à quel point c'est quelque chose qui peut vous structurer en tant que chrétien et qui est un vraiment. Qui est, donc j'ai été extrêmement heureux, ému, touché lorsque à Téhéran j'ai pu aller à la messe après 5 semaines sans messe. Alors, tout à l'heure, je vous posais la question de pourquoi vous voyagez. Aldric. Pour voir autre chose. Pour voir autre chose. Alors, autre chose. Est-ce que c'est pour s'enfuir un petit peu? Pour fuir le monde, notre civilisation. Alors, c'est une civilisation franco-européenne. Un peu. En fait, pour voir autre chose. Pas pour la fuir, parce qu'on on lui reproche des choses, mais pour essayer de la fuir pour voir autre chose, pour se dire si je vais plus loin, qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour s'ouvrir l'esprit aussi. Oui, pour s'ouvrir. Le voyage, c'est le premier combat contre l'intolérance, l'indifférence. En voyageant, vous voyez comment les autres vivent, vous voyez pourquoi est-ce qu'ils vivent comme ça. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils se déplacent, pourquoi est-ce qu'ils ont des opinions différentes de vous. C'est un cours de géopolitique pratique, hein, finalement, le voyage. Et accéléré, parce que c'est l'occasion de pratiquer cette géographie. Lorsqu'on parle du Tigre et de l'Euphrate, je pense que pour beaucoup d'écoliers, ce sont des fleuves qui existent que dans des bouquins de géo. Mais on n'imagine même pas une seule seconde que ce sont des fleuves qui existent vraiment. Et des gens, aujourd'hui, vivent encore sur les rives du Tigre et de l'Euphrate, en Syrie, en Turquie ou en Irak. Alors, et c'est vrai que c'est un des voyages aussi, pour rebondir l'auditeur a dit plus tôt, quand on va en Terre Sainte et quand on a été, qu'on a étudié le catéchisme, etc., et aller sur ces lieux saints, je pense qu'aussi c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc on voyage pour aller sur les lieux saints, pour rencontrer, pour apprendre, pour découvrir. Est-ce qu'on voyage aussi pour alimenter son compte Instagram? C'est pas forcément, moi je reviens sur ce que j'avais dit en début d'émission, c'est pas forcément néfaste. Après, c'est la volonté. Alors, moi j'ai pas de compte Instagram personnellement, mais oui, ou Facebook Twitter, voilà, non, mais sa chaîne YouTube. Ça peut permettre aussi à ceux qui n'ont pas les moyens financiers ou physiques de voyager. C'est pour ça, aller sur des blogs, nous tous autour de la table, on voyage beaucoup physiquement, personnellement, mais on a tous aussi lu beaucoup de blogs sur internet, on a tous regardé énormément de modifications de voyage. Et il y a plein de voyages qu'on n'a pas fait physiquement, mais qu'on a fait en regardant la télévision, en lisant Géo ou National Geographic. Et certaines fois, on s'est dit, celui-là, ce voyage-là, ce reportage-là, j'ai envie d'y aller. Il y en a 10 avec lesquels j'ai voyagé, et le 11e, là, celui-là, j'ai envie vraiment de le vivre. Et donc, Jérusalem, on l'a tous vu. Effectivement, on en entend parler tous les dimanches, à la messe. Première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, Jérusalem. Et c'est vrai, comme le disait Anatole, quand vous êtes en Israël et qu'on vous dit, c'est ici que Pierre a parlé, que Pierre a abandonné son filet pour suivre Jésus. Ah, oui, au bord du lac de Galilée. Vous y êtes. C'est un lac comme un autre, mais c'est le lac de Galilée. Mm-hmm. C'est le seul, l'unique. C'est important pour vous de témoigner, de raconter dans des livres, dans des films, dans des documentaires, vos voyages ou à la radio? C'est assez égoïste d'écrire littérature de voyage comme la littérature de fiction. C'est très psychanalytique. Ça permet en fait de tirer un trait
sur ce qui s'est passé pour passer à la suite, quoi. En fait, on le refourgue au lecteur, mais vous, quand vous avez fini le bouquin, c'est justement une manière de mettre ça derrière vous, de ranger ça sur une étagère, en fait. C'est une conclusion de l'écriture. Moi, j'ai toujours vu ça comme une conclusion du voyage. Parce que, encore une fois, on parlait des départs et des retours. Le retour, c'est assez compliqué. Et de, je pense que Paul, c'est ce qui lui est arrivé en faisant son livre. Je pense que depuis qu'il a fini son livre, il a vraiment fini son voyage. Exactement. C'est vraiment ça. Et bah, finalement, ça a été un retour global. La veille de l'arrivée à Paris, j'avais qu'une seule envie, c'était de virer de bord et de me dire, mais non, mais en fait, je vais pas arriver à Paris. Et une fois que j'ai posé le point final sur le livre du Mékong à la place Saint-Pierre, là, ça y est, j'étais arrivé. Parce que j'ai digéré ce voyage. Il y a une question de la digestion du voyage. C'est on a tellement de choses qui nous arrivent dans la figure lorsqu'on voyage. C'est tellement de couleurs. Qu'on aille à Lourdes ou au bout du monde. Voilà, c'est tellement de choses, tellement de rencontres que vous avez besoin après de l'intérioriser. Pour certains, ça va passer par l'écriture d'un livre. Ça va passer par le fait de le raconter à des amis ou à des inconnus. Alors, vous parlez de choses qui nous arrivent dans la figure quand on voyage. On vient d'avoir un message de Michel qui nous dit « Mon plus beau voyage fut gratuit dans un fourgon de police, menotté dans le dos, dépouillé sans savoir pourquoi. » Pour lui, donc, le voyage, c'est fuir. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances il est arrivé à Michel. Michel, j'ai reçu une avrée pour vous. J'espère que ces soucis sont derrière vous. Mais du coup, c'était justement la dernière question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il faut revenir sur les lieux du crime? Est-ce qu'il faut revenir ou au contraire, éviter de revenir dans un endroit où on a déjà voyagé? Cédric. Il faut revenir. Enfin, moi, je suis revenu. J'y retourne la semaine prochaine des dizaines de fois en Russie. Mm-hmm. En fait, on approfondit. Alors, il ne faut pas revenir en imaginant qu'on va revivre les mêmes émotions que la fois d'avant. Non, ça, ce n'est pas vrai. En revanche, si vous êtes là pour avancer, c'est-à-dire peut-être apprendre la langue, en savoir de plus en plus, vous avez, je ne sais pas moi, une enquête, quelque chose que vous voulez approfondir, là, oui, il faut revenir. Hein. Et c'est d'ailleurs assez passionnant, hein, de, plutôt que de collectionner des pays, eh bien, d'en explorer un jusqu'au bout, entre guillemets. Merci beaucoup de nous avoir aidés, de nous avoir donné envie d'en explorer davantage ce soir. Merci. Bah le, oui, c'est dire que le retour. Livre que tu sors. Voilà, justement, j'allais le redire. Justement, Cédric Gras, Les Alpinistes de Staline, qui sort chez Stock au mois de mars. Voilà. Et puis, si vous êtes impatient, vous pouvez aussi lire Les Saisons du Voyage chez Stock également, qui est déjà sorti il y a deux ans. Et puis, pour lire Paul Bablot, il y a Du Mékong à la place Saint-Pierre aux éditions. Première partie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Paul Bablot, Cédric Gras, Antoine de Chevigné, Anatole Obolensky et Aldric de Saint-Palais, merci de nous avoir emmenés dans vos différents voyages. Merci aussi à nos auditeurs qui ont été très nombreux ce soir avec nous. Merci à Gaël, au mystérieux PW qui aime les poulpes et les koalas. Merci à Marie-Annick, Edith, Michel, l'autre Michel. Merci à Marie-Thérèse, Marise. Ariane, Rony, merci à Guillaume qui a réalisé cette émission. Merci à Maëlys qui accompagnait nos invités dans les studios. Merci à Albertine qui était au standard pour prendre vos appels. Et je voudrais simplement terminer cette émission qui parle de voyage en rendant un hommage à deux personnes que nous connaissons bien qui sont parties, elles, pour leur dernier voyage. D'abord pour Loïc qui nous a quittés durant ces derniers jours, durant un voyage en avion. Qui s'est malheureusement écrasé dans les montagnes. Au revoir Loïc et bon voyage à toi. Et également saluer Marie-Marcel qui était une fidèle de notre émission, une fidèle de Radio Notre-Dame. Elle nous a quittés. Elle est partie en voyage vers la Cité du Ciel, rejoindre son bien-aimé. Merci à Marie-Marcel pour toutes ces années au service d'Écoute dans la Nuit et de la radio. Elle était encore à l'antenne avec nous mardi dernier. Puisse notre Seigneur recueillir sa fidèle servante et nos pensées en particulier vont à leur famille et avec Marie-Marcel et Loïc et tous nos invités. Je vous souhaite une nuit tranquille et reposante car demain sera un grand jour. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com. En ce jour qui s'achève, nous nous tournons vers la Vierge Marie et nous la prions avec les moines bénédictins de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes.